Amen. Bonjour à toutes et à tous, dans le nom du Seigneur Yeshua. Amen. Je vais prendre un petit passage pour nous encourager. On est dans le livre de Yohanan, chapitre 14, à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il y en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin ?» Yehoshua lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. » Alléluia. Je vais reprendre juste le passage qui va vraiment nous encourager. Amen. Il dit, « Et vous savez où je vais. » Amen. Il dit, et vous savez où je vais, et vous en savez le. Et vous en savez le. Et Thomas va lui dire, et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Vous voyez? Alors que le Seigneur vient de lui dire juste avant, il lui dit quoi? Il lui dit, vous savez où je vais. Est-ce que tout le monde sait où le Père est, le Seigneur Yeshua est parti? Est-ce que tout le monde sait? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas comme Thomas? Amen. Parce que Thomas lui dit, nous ne savons pas où tu vas. Alléluia. Alors que le Seigneur lui dit, vous en savez, vous et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et le verset 6, mes bien-aimés, voilà la réponse de notre maître. Toi qui t'inquiètes, voilà la réponse du maître. Alléluia. Toi qui ne sais pas où tu vas aller après la mort. Toi qui ne sais pas comment trouver le chemin pour aller au ciel. Alléluia. Toi qui tâtonnes encore. Toi qui fais d'église en église, de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre. Alléluia. Sache qu'il y a une réponse. Verset 6. Yeshua lui dit, moi je suis le chemin. Nous n'en savons pas le chemin. Il dit juste avant Thomas. Donc, il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Comment savoir le chemin? Alléluia. Et le Seigneur lui dit, moi je suis le chemin. Moi je suis le chemin. Nous ne savons pas le chemin, mais le Seigneur lui répond, moi je suis le chemin. Alléluia. La vérité est la vie et personne ne vient au Père excepté par moi. Alléluia. Pourquoi prendre ce passage, mes bien-aimés, pour nous encourager? Parce que dans la marche chrétienne, arrivé un moment, mes bien-aimés, on commence à chercher comment plaire au Seigneur. On commence à chercher comment faire pour aller au ciel. On commence à chercher des méthodes. On commence à nous dire, ah mais tu sais, il faut faire le jeûne de Daniel. Hein, tu vas voir là, tu vas te rapprocher du Père. Ah tu sais, il faut faire peut-être 40 jours de jeûne, hein, comme le Seigneur quand il est parti dans le désert. Tu verras, là tu vas t'approcher du Seigneur, tu vas atteindre le ciel. Alléluia. Des méthodes en méthodes. Alléluia. Vous voyez toutes ces tracasseries là que les hommes cherchent, là, des méthodes qu'on met en place, tout ça pour soi-disant plaire au Seigneur. Et ce que j'aime beaucoup dans le Père, mes bien-aimés, c'est que le Père, il est simple. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le Père est simple. Il dit au verset 6, « Je suis le chemin. » Est-ce qu'il a dit que pour trouver le chemin, il fallait que tu fasses 40 jours de jeûne? Moi, je n'ai pas vu ça dans le verset 6. Hein? S'il y a quelqu'un qui a vu ça, qu'il lève la main, qu'il nous le dise. Alléluia! Il n'a pas dit qu'il faut faire 40 jours de jeûne pour trouver le chemin. Non. Il a dit, je suis le chemin. Yeshua HaMashiach est le chemin pour aller au ciel. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas une église par laquelle tu vas passer qui va t'amener au ciel. Ce n'est ni un pasteur ou un apôtre qui va te permettre d'aller au ciel. Mais c'est le Seigneur Yeshua qui est le seul véritable chemin. Alléluia!
Frères et sœurs, il faut qu'on nous le rappelle encore. Parce qu'il y a beaucoup de tracasseries. Je nous le dis, il y a beaucoup, beaucoup de tracasseries. Alors que le Seigneur est simple. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Que cherches-tu? Quel chemin cherches-tu? Aujourd'hui, c'est les catholiques. Bon, on va tester un peu. Non, demain, ça va être les pentecôtistes. Hein? Après-demain, on va tester les protestants. Hein? Tu fais d'église en église. Mais jusqu'à où? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors que tu connais déjà le chemin. La Bible nous dit tout, mes bien-aimés. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Toi qui veux aller au ciel, toi qui veux aller au paradis, des fois on pose des questions à des jeunes, mais est-ce que tu connais le chemin pour aller au paradis? Parce que beaucoup disent, oh, hein, tout le monde ira au paradis. Non, non, ce n'est pas tout le monde qui ira au paradis. Hein? Mais est-ce que tu sais comment aller au paradis? Est-ce que tu sais comment aller au ciel? Vous voyez? Même des fois, vous parlez avec certains musulmans, ah oui, mais tu sais, il faut un grand nombre de il faut faire beaucoup de choses bien sur terre, tout ça, après il y aura une balance, tout ça, tout ça. Il se complique la tête. Alléluia! Dis à ton voisin, il se complique la tête. Alors que la Bible nous dit qu'il y a un seul chemin, un seul. Alléluia! Un seul. Le seul chemin, c'est Yeshua. Ah, Mashiach, mes bien-aimés. Le seul chemin pour aller au ciel. Il est venu pour nous montrer le chemin. Et en plus de ça, bien-aimé, c'est qu'il va au ciel te préparer une place pour que tu ailles au ciel. Il te prépare ta place. Il dit, je vais vous préparer une place, frères et sœurs. Donc tu as ta place au ciel. Le Seigneur t'a créé le chemin. C'est lui le chemin. Et quand il va au ciel, il te prépare ta propre place. Où il écrit ton nom, toi et toi seul. Alléluia. Le véritable maître. Yeshua Hamashiach, celui qui t'aime, celui qui a tout préparé, celui qui t'a conçu, formé dans le ventre de ta mère, pour que tu ailles au ciel, que votre cœur ne se trouble pas. Frère et soeur, qu'il y ait des tremblements, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait tout ce que vous voulez sur terre, mais que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia! Je veux vous préparer une place pour aller au ciel, que la terre tremble, que tout s'ouvre, mes bien-aimés, mais que ton cœur ne se trouble pas. Que tu ne te dises pas, ah non, aujourd'hui c'est compliqué, je ne vais peut-être pas aller au ciel. Il y a un seul chemin. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Que votre cœur ne se trouble pas, mes bien-aimés. Regardez comment commence le verset 14, le verset 1er du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce qu'il voit dans nos cœurs beaucoup de troubles, frères et sœurs. Beaucoup de troubles dans nos cœurs. Oh, est-ce que le Seigneur m'aime encore? Est-ce que je plais encore au Seigneur? Est-ce que ça va? Est-ce que si? Est-ce que ça? Le doute vient. Alléluia. Le doute, mes bien-aimés, tue beaucoup de chrétiens. Alléluia. Vous voulez qu'on lise un passage par rapport au doute, rapidement? Jacques 1er. Mes bien-aimés, regardez ce que la Bible nous dit par rapport au doute. C'est terrible. Je vous assure. Tout le monde y est? Alléluia. On va lire à partir du verset 6. Mais qu'il la demande, on peut même apporter verset 5. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qu'il la donne à tous simplement. Voyez, encore simplement. À Elohim, qu'il la donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Mais qu'il la demande comment? Vous êtes sûr? Qu'il la demande avec foi, ne doutant, ne doutant. Ne doutant, alléluia, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité, poussé par ça et là par le vent. Que cet humain, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Alléluia, qu'il ne s'attend pas à recevoir quelque chose du... Vous voyez, le doute. Le doute, mes bien-aimés, que le doute n'envahisse pas ton cœur.
que le doute ne vienne pas envahir ton cœur. Alléluia. Par rapport au chemin pour aller au ciel. Par rapport à comment aimer Yeshua HaMashiach. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas. Ne doutez pas des paroles du Maître. Il dit dans sa parole, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup, beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, frères et sœurs. Si quelqu'un te dit que le Père ne t'a jamais parlé, ou tu te dis, non, le Seigneur ne m'a jamais parlé, alléluia, ah oui, mais moi, je n'ai pas reçu de vision, moi, je n'ai pas reçu de prophétie, ben, regarde la prophétie par excellence. Je vais vous préparer une place. Voilà la prophétie que le Seigneur te donne. Je vais te préparer une place. Je vais te préparer une place. Alléluia. Cette parole est mieux qu'une vision. Alléluia. Parce que c'est la parole véritable du Maître. Alléluia. Elle est au-dessus des visions. Au-dessus des prophéties parce que c'est la parole pure. Alléluia. C'est le Père qui parle. C'est lui qui te dit qu'il va te préparer une place. Que tu ne doutes pas de cela. Ne doute pas de ce que le Père te dit. Il va te préparer une place que personne ne vient, ni le démon, ni Satan vient te dire. Que le Père n'est pas parti te préparer une place. Tu as ta place comme moi au ciel. Alléluia. 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 C'est pas parce que je parle ici du Seigneur que toi tu n'auras pas ta place et moi j'aurai ma place. Non, 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 frère. Non, 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 non. Si le Père a dit qu'il va te préparer une place, c'est que tu as aussi ta place. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Alors est-ce que tu es content d'avoir ta place au ciel? Alléluia! 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 Non, non, je crois que tu n'es pas content là. Si tu es content, tu acclames le Seigneur. Si tu es content, tu élèves le nom du Seigneur. Alléluia! Alléluia! Yes! Yes! J'ai ma place au ciel! J'ai ma place au ciel! Alléluia! Oh, j'ai ma place au ciel. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier ensemble? Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci pour ce que tu fais Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux le louer. Il est Seigneur. Il est Seigneur.
Gloire au Seigneur. Bonjour tout le monde. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui? Combien de temps? Oui, c'est ça, que le Seigneur soit béni. Ça fait plaisir de revoir des frères et sœurs. Et le Seigneur est fidèle. Amen. Waouh. Ouais, ben dis donc. Bonjour, comment ça fait plaisir de... Waouh, ça fait des années. Hein. Ah, ben dis donc. Ouf. Ah, que le Seigneur soit béni, mais vraiment, quelle surprise. Oh là là, oh Seigneur. Waouh. Ah. Ben dis donc. Il se passe des choses, hein. Il se passe de belles choses en tout cas. Là. Alléluia. Nous avons... Voilà, et notre sœur Nambi qui a atterri ce matin de Madagascar, qui est officiellement médecin biologiste. Et elle peut venir, hein, nous donner ce témoignage, c'est vraiment très encourageant. Oui, pas de souci. Ok. Wow. Oui, comme tu veux, dans la liberté. Et avec mention, enfin, va vous dire elle-même. Ouais. Ouais. Bah, shalom à tous. Shalom. Non, je préfère mettre mon masque. Il n'y a pas de souci. J'ai un petit rhume. Et puis, je n'aime pas trop qu'on me voit. Voilà. La gloire revienne. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. J'ai pu partir en mission avec les missionnaires à Madagascar il y a 2 semaines. Mm-hmm. Et puisque papa, il m'a promis que je vais partir en mission, je vais voir ma petite famille et je vais présenter également mon mémoire de spécialiste en biologie médicale. Et arrivée à Madagascar, ma gloire au Seigneur, on était en mission. Je ne sais pas si vous avez été le témoin de ce qui s'est passé à Madagascar il y a 2 semaines. C'était très fort. Gloire au Seigneur, c'était waouh. Et à part ça, j'ai pu être aux côtés de mon mari et de mes enfants. Ils étaient vraiment dans la joie. Ça nous a beaucoup fait du bien. Et papa, il est fidèle. Il est fidèle parce que, vous savez, ce n'est pas évident d'être séparés. Mais lui, il a dit dans... Moi, mon verset préféré, c'est Marc 10, 29. Je partage à tout le monde. Mm-hmm. Parce que actuellement, je suis en train de vivre ce passage-là. Si on peut lire ensemble. Mmh. Alors, en répondant, Yeshua dit « Amen, je vous le dis. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou terre, ne reçoive maintenant en ce temps-ci au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. » Et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Amen. Et le Seigneur, il est fidèle parce que, voilà, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma terre, j'ai quitté mon mari, mes enfants, etc. Pour lui, parce qu'il a dit, va et tu verras. Et je suis là auprès de vous. Et il est en train d'accomplir... ce verset-là dans ma vie,
C'est la preuve que ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Il est fidèle. Et du coup, quand j'étais à Madagascar, c'est comme si l'ennemi a fait exprès que j'ai pas pu présenter mon mémoire pendant la semaine où les missionnaires étaient à Madagascar. Mais moi, je suis sûre que le Seigneur voulait que je me concentre sur la mission, que je donne mon maximum. Et du coup, la mission a été faite et gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pendant la semaine. Et puis après, gloire au Seigneur encore, il a permis que j'ai pu prolonger de quelques jours mon séjour pour être encore une fois plus près de ma famille, mais surtout pour fermer la bouche des méchants, comme il l'a dit, parce que je suis très persécutée là où je suis, à Madagascar. C'est toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies à travers moi, toutes les bénédictions. L'ennemi ne supporte vraiment pas. Et on me traite d'être injuste, c'est comme si je ne suis pas les procédures, c'est comme si... Et pourtant, c'est pas moi, je ne veux pas être mis devant. Mais c'est le Seigneur qui me met devant comme ça, et les gens ne supportent pas, parce qu'à chaque fois, quand je proclame le nom du Seigneur, les gens ne sont pas contents du tout, et c'est comme si on est... injuste, c'est comme si on veut être vu ou on veut être quelqu'un ou voilà. Et pourtant, c'est vraiment pas ça. C'est le Seigneur qui est la source de toutes nos bénédictions. C'était des professeurs qui disaient ça. Hein. Oui, c'était des professeurs, des médecins, en fait, des professeurs là-bas. Il y a des profs qui ne supportent, qui ne m'aiment pas du tout, donc qui, par tous les moyens, ont essayé de me bloquer. Mon mémoire, là, devrait être présenté l'année dernière, en 2022, octobre 2022. Mais ça a été bloqué par eux. Mais le Seigneur, le Seigneur a permis que ça soit bloqué pour qu'il se glorifie au temps convenable. Donc, le temps convenable que papa il a choisi, c'est jeudi dernier. Étant donné que moi, je devais prendre l'avion hier, j'ai demandé une audience au doyen de la faculté de médecine pour lui expliquer et lui remercier aussi parce que, en fait, il y a comme une sorte, il y a des gens qui font des lavages de cerveau au sein des collèges des enseignants, ce qui fait que moi, c'est comme si je suis quelqu'un de, c'est quelqu'un de horrible qu'il faut bloquer. Et j'ai parlé avec lui, je lui ai tout expliqué, même la vision du Seigneur par rapport à Madagascar, est-ce que le Seigneur va faire à travers moi? Et du coup, il a été touché. Il a dit, écoute, quand tu auras l'occasion d'expliquer et de parler de tout ça aux autres, c'est-à-dire aux professeurs qui murmurent par rapport à mon cursus, explique-leur. Et voilà, parce qu'il y en a des gens qui ne m'aiment pas du tout. J'ai dit merci Seigneur, ok je vais faire ça le temps que le Seigneur permettra. Ok, du coup le lendemain, j'ai dit à tout le monde, comme ce qui est la coutume, faut dire à tout le monde que je vais présenter mon mémoire, gloire au Seigneur. Moi j'ai pas peur, j'ai pas peur de dire que c'est grâce au papa Yeshua que je fais tout ça, etc. Je l'avais dit, et tout de suite après, hop. J'ai été lapidée encore une fois, comme quoi je suis injuste, pourquoi je présente mon mémoire et pourtant il y a d'autres, des aînés qui n'ont pas encore
fini leur mémoire, mais ils ont été sanctionnés ou je sais pas. Et c'est comme si moi, je voilà quoi, c'est injuste. Et c'est comme si le professeur qui était de mon côté faisait un poids de mesure. Voilà. Pourtant, c'était pas le cas. C'est le Seigneur lui-même qui a voulu que ce soit ainsi. C'est pas moi, c'est lui. Il est magnifique. Donc voilà, j'ai le Seigneur a dit. Moi, quand j'ai vu tout ça, il y avait beaucoup de paroles qui paf comme ça. Moi, j'ai dit Seigneur, il a dit tais-toi, ne réponds pas, je vais faire. Donc voilà, j'ai pas répondu. J'ai dit Seigneur, ok, j'étais à ses pieds, j'ai pleuré, papa, regarde, s'il te plaît, regarde. Et moi, j'ai dit ok. Et ce qui m'a étonnée, c'est que ma bouche dit papa, s'il te plaît, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Même moi, je comprends. Oh, j'ai dit ça dans ma prière. Pourtant, j'avais mal au cœur, mais c'était. Ouh, ça sortait comme ça de ma bouche. Gloire au Seigneur. Et après ma prière, le lendemain, ben voilà, je suis partie voir le professeur. Parce que c'est lui le juge de mon mémoire. Je suis partie le voir et il pouvait pas venir à mon mémoire, mais il a juste donné des notes. Et quand je suis partie le voir, c'était un peu rapide. Mais après, j'ai oublié de lui donner mes remerciements parce que c'est chez nous, c'est comme ça. Et puis je suis revenue et après. On s'est dit, je lui ai expliqué, j'ai eu le temps enfin de lui expliquer, mais écoutez, professeur, moi je ne suis pas. Parce qu'il croyait que j'étais tout le temps ici en France, que je ne suis jamais rentrée à Madagascar. Et pourtant, en 2021, en 2022, je suis bien rentrée à Madagascar. J'ai terminé mon cursus pendant 6 mois à Madagascar, puis je suis revenue ici pour faire mon master 2. Donc les gens ne savent rien, mais il y a des voix qui parle un peu partout que oh, elle n'est jamais rentrée, elle est comme ceci, elle est comme ça. Donc voilà, ça l'a mis en colère, etc. Et puis j'ai tout expliqué. Et gloire au Seigneur, il a dit ah bah ok, on se pardonne, je retire tout ce que j'ai dit, etc. Et il a été touché, et puis il m'a béni, il a dit bon vent, etc. Donc gloire au Seigneur. Il m'a donné une très bonne note, c'était 2 juges. Et lors de la présentation, gloire au Seigneur, encore une fois, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu une mention très bien, avec une note 93,5 sur 100. 93,7. Ah, gloire au Seigneur. David, tu es où? Tu peux parler avec... Tu peux te lever? Toi, tu peux te lever, s'il te plaît, frère? Jeune homme, ouais, lève-toi. Ouais, s'il te plaît. Tu peux parler avec lui, s'il te plaît, au bureau là-bas. Va avec David, s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Oui, oui, Patrick, merci. Patrick, tu peux voir s'il y a la possibilité de remettre ton retour à demain, si c'est possible. Juste 2 secondes. Voyez, l'esprit vient de me saisir là, il y a eu la sainte colère. Une jeune fille française, blanche, nouvellement touchée par le Seigneur, a eu son baptême, elle sort d'une famille où il y a eu beaucoup de blessures, elle est jeune, 24 ans. Elle est sur Instagram, elle annonce qu'elle allait à la veillée le 30. Le jeune homme tombe sur lui sur Instagram pour commencer à lui faire la cour. Et j'ai vu les messages, et vous venez en plus vous assembler avec nous pour... On se moque de qui?
savez, ce n'est pas parce qu'on va se voir, on va rigoler, qu'on va... Donc là, la victime est à côté, la sœur à côté. Elle était déjà draguée par d'autres chrétiens. C'est-à-dire, à l'extérieur, pareil, on la drague. À l'intérieur, les programmes, les frères et sœurs viennent. Vous leur faites la cour, vous leur proposez de les prendre dans vos voitures. Vous, depuis quand vous, un homme va proposer à une jeune femme de la prendre dans une de sa voiture pour l'amener à la prière? Depuis quand? C'est quoi cet évangile? Je dis, j'ai les messages. Et imaginez des parents qui laissent les enfants, leurs enfants venir au programme. Et ces jeunes femmes sont comme un autre monsieur, faux frère, qui l'a fait. Il y a des choses, je ne vais pas dire ici. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Nous sommes tous parents, pour les parents ici. Qui accepterait que ses enfants se fassent draguer dans les programmes comme ça, les réunions? Donc là, plus, je ne veux plus le voir au programme là. Qui suis chez lui là? On ne se moque pas du Seigneur. Émeric, tu peux te lever s'il te plaît? Ce frère, nouvellement touché par le Seigneur. Des parents disent, non, peut-être c'est une secte, tout ça. Il s'accroche. Et un ancien chez nous va l'arnaquer de combien de milliers d'euros? 7 000. 7 000 euros. Comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer? Pardon, Nambi, merci. Hein. Bah, du coup, la première fois que je l'ai vu, ce faux frère, il était très gentil, il prenait des failles, il faisait attention, on parlait simplement. Je me disais, c'est un ancien, du coup, bah, j'ai pas de... Enfin, je lui fais confiance, nouvellement converti, j'ai baissé la garde. Il a pris mon numéro, et simplement, il commençait à prendre des nouvelles, etc. Puis à un moment, il me demande, oui, Aymeric, est-ce que tu peux me faire un virement? C'est rapide, c'est pour la famille, tout ça. Et au début, je me suis dit, bon, bah, c'est un ancien. Donc tout de suite, je me suis dit, j'étais même content. Je me suis dit, bah, ça va, c'est sûrement important, c'est pour sa famille. Et du coup, bah, je l'ai fait, mais d'une vitesse, comme si c'était vraiment une mission, quoi. Et après, bah, il a continué. Première fois, c'était 600. Et vraiment, en plus, je me disais, mais si c'est faux, c'est vraiment très bien fait. Très bien fait, parce que j'ai vraiment je suis rentré dans son piège comme quelqu'un de qui veille pas et qui est bête quoi. Donc ça m'a vraiment servi de leçon et ça m'a aussi beaucoup peiné de me dire que il y a vraiment des loups parmi nous et c'est vrai que maintenant c'est pas facile hein, de vraiment faire confiance de s'ouvrir aux autres donc bah, du coup, en fait, il a vu que je baissais la garde, que j'étais d'accord pour faire des virements. Du coup, bah, il a continué, toujours plus loin. Et puis, c'est un moment où il m'a dit, voilà, j'ai une affaire. Est-ce que tu peux me faire venir avec moi, enfin, participer? Et je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Je me suis questionné. Dans la précipitation, j'ai dit oui. En fait, j'avais vraiment confiance. J'avais vraiment confiance en lui. Je me suis dit, mais c'est un frère, c'est le Seigneur, il n'y a pas de faux. Et en fait, il y avait un virement, le gros, ouais, de 3 000, 4 000. En plus, j'ai dû le faire en plusieurs fois parce que la banque ne voulait pas, tout ça. J'étais vraiment, en fait, complètement endoctriné, comme dans Galates, ensorcelé, quoi. Et du coup, après, il m'a demandé un dernier virement. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, là, c'est trop. Enfin, ça m'a agacé. Je lui ai dit, écoute, là, c'est la dernière fois. Là, c'est fini. C'est un dernier montant. Et puis, il voyait que j'étais agacé. Donc, il m'a dit, OK, après, c'est fini. Et puis, quelques jours après, ben, un autre frère, un ancien, m'appelle et il me demande, il me dit que ce frère-là, c'était un peu bizarre ce qu'il faisait. Et que du coup, qu'il avait arnaqué d'autres frères. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, il était faux. C'était pas quelqu'un de vrai. Et à partir de là, bah, je me suis pris une grande claque, quoi. C'est vrai que ça fait mal, mais d'un autre côté, je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, bah, je suis beaucoup plus prudent, je fais attention. Et tous ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas. Il y a beaucoup de faux, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Beaucoup, beaucoup. Donc vraiment... Non, rien du tout. Il est revenu vers moi, mais avec, comment dire, après concertation avec des anciens. Ils m'ont dit non, lui répond pas. Puis de toute façon, enfin, je veux dire, ça m'a servi de leçon et je veux même pas en entendre parler. C'est fini. Après, c'est entre lui et le Seigneur. Voilà. Et je le pardonne. Donc on a dû le chasser. Et il a arnaqué plusieurs frères et sœurs. Comme vous le savez, certains le savent déjà. Il a pu récolter plus de 23 500 euros. Et il est resté avec nous plus de 16 ans. Maintenant, imaginez ses parents qui pensaient qu'il était dans une secte. Ça va tomber sur qui ? Sur moi. Quel est le nom qui va être sali ? Le nom du Seigneur. Vous voyez ce qui se passe ? Et les gens, ces loups, ces faux frères, rencontrent leurs victimes où ? Ici, dans les programmes, ici au programme. Ils les rencontrent où ? Sur les réseaux. Donc nous, on annonce la parole. On souffre. On ne dort pas parce qu'il faut traduire la Bible. Il faut rester des heures et des heures pour traduire la Bible. Et des gens viennent en disant, donnez-moi une Bible, donnez-moi une Bible. On donne. Et derrière, quand il y a des réunions, vous allez sur les réseaux, vous prenez les contacts des frères et sœurs, vous leur proposez de les accompagner au programme. Nouvellement convertis, des victimes. Cette même jeune sœur qui veut me voir pour parler de ça, elle a été victime de plusieurs faux pasteurs, notamment un qui l'a manipulé, un autre qui a couché avec. C'est que ça. Ouais. On fait comment maintenant là ? Et c'est ça Jésus ? Et on vient jouer le spirituel. Voilà pourquoi nous sommes combattus. Voilà pourquoi je suis insulté, traité de tout le nom. Il est dur, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Parce que les gens veulent avoir une église remplie d'impudiques. Les gens veulent avoir une église remplie de gens de faux. Et nous, derrière tout ça, le Seigneur, on fait quoi ? Vous vous rendez compte ? La sœur a dû demander au jeune homme, parce que dans la salle encore, on demande, tu es assis ou tu es assis, la sœur, jeune, nouvellement converti, tu viens pour le Seigneur ou tu viens pour moi ? Vous vous rendez compte ? Déjà victime de faux prophètes, victime déjà de faux frères. Et ça continue, chez nous ça continue. Et on va prier ensemble ? On va adorer le Seigneur ensemble ? Non, il faut qu'on arrête. Non. Comme une autre fois, quelqu'un qu'on a dû chasser ici. Ça vient, ça drague une femme alors qu'elle est mariée. On vérifie à chaque fois, parce que les preuves, il faut les avoir. Et là, les preuves sont toujours là. Allez, chut. On le chasse. On s'amuse pas avec les âmes. Les réseaux, mes frères et sœurs. Vous vous connectez avec des inconnus. Vous vous laissez inviter par... cette génération, vraiment, je ne la comprends pas. Les parents, là, vous devez veiller sur vos enfants par rapport au réseau, parce qu'il y a tellement de charlatans, je vous assure, là, c'est... Mais il faut voir ce que c'est. C'est la même sœur, tout à l'heure, a montré ce qui se passe. Les messages qu'on lui envoie par d'autres charlatans, des pseudo-frères, prédicateurs de l'Évangile. Faut que la crainte du Seigneur soit restaurée. C'est pas possible. On a beau, on peut dire tout ce que l'on veut.
Mais quand on est chrétien, on ne se comporte pas comme ça. Avec les sœurs avec les hommes. Il y a une éducation qu'on a reçue. Il y a une culture, la culture du royaume qu'on doit avoir. C'est devenu un zoo. Les 7000 euros du frère, qui va les rembourser? Les 2900 d'une jeune femme, mère célibataire en Irlande, qui va les rembourser? Les 3000 euros d'une femme, là, qui va les rembourser? Est-ce qu'on a contacté les victimes? Vous voyez, à chaque fois. Et les gens, après, vont sur les réseaux, pour ceux qui ne sont pas... ceux qui nous associent à tout ça, eh bien, ils vont dire, secte, gourou, j'étais là-bas, on m'a volé. J'étais là-bas, on a couché avec moi. On a couché là, et voilà. Voilà comment nous sommes insultés depuis des années. Voilà comment le nom du Seigneur est blasphémé. Pareil. Frère marié, sœur mariée, couple marié, jeune marié. Voilà quelqu'un qui est marié aussi, qui va liker les photos d'une femme mariée chez nous. Et quand le mari dit, faut arrêter, ça ne plaît pas. Mais on veut quoi au juste? On veut quoi? Vous voulez profiter des jeunes femmes? Vous voulez profiter des parents d'autrui? Vous voulez dépouiller les âmes du Seigneur? On a dû appeler les victimes pour demander pardon. 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 Parce que la fille est passée par la délivrance, il faut la consoler. Avec tout ce qui se passe. Elle est tombée entre les mains d'un faux évangéliste congolais, jeune, qui a couché avec la plupart des femmes de son église. Voilà les dégâts. Vous vous rendez compte? Parce que les gens se font inviter dans d'église en église. Viens chez nous, viens chez nous, viens chez nous. Et ça va là, hop, on les drague. Ça va là, hop, on les dépouille. Ça va. Il y en a une qui a appelé de lui de la Réunion. Un pasteur qu'on a formé ici, qui s'est installé là-bas, un voyou. Il a dépouillé cette jeune femme qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, elle a appelé 5000 euros ce monsieur qui était avec nous, lui a pris. 5000 euros. Bravo les dégâts. Une jeune sœur qui est ici, elle est là. Elle est venue me voir. Le pasteur que tu as formé m'a appelé pour me demander si je suis toujours malade, si je ne suis toujours pas guéri. Elle lui dit, non, j'ai toujours la même malade. Ah ben, il faut me faire un virement, hein, un western, comme ça je prie pour toi. Et tu n'as pas de mari encore? Non, je suis toujours célibataire, mais personne ne te fait la cour. Oh, ben, les païens, oh ben, c'est pas grave. Mais ces femmes ont eu le courage de parler. Combien ici ne parlent-elles pas? Beaucoup ne parlent pas. Beaucoup. Beaucoup. Et ceux qui ne nous connaissent pas, ils vont dire quoi? Ben, il est avec ces gens-là. Voilà. Vous voyez ce qu'on gère dans les coulisses? Ouais. Émeric, heureusement qu'il a, il a le discernement, je veux dire, il a compris qu'on n'y était pour rien. Mais si le Seigneur ne l'avait pas aidé, il aurait pu nous associer tous. Voilà. Il aurait pu dire, ben, les Africains sont comme ça, les Noirs sont comme ça, les Blancs sont comme ça. Vous vous rendez compte des dégâts? Les Congolais sont comme ça, les Centrafricains sont comme ça.
Vous voyez les conséquences? Voilà pourquoi le Seigneur a établi des anciens, des surveillants. C'est ça aussi notre rôle. Voilà. Quand il y a un loup, un mal, quand il y a des... On dit non, arrêtez, laissez les gens tranquilles. Les gens, ils ont leur argent, laissez-les avec leur argent. Voilà. C'est pour cela, depuis des années, nous vous disons, faites attention avec des gens qui vous demandent vos coordonnées. Faites attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'affiche avec nous que nous sommes avec. Alléluia. Vous allez bien? Ce n'est pas un travail facile pour moi. Hein, parce que, vous savez, nous ne prêchons pas pour de l'argent. Vous nous connaissez. Nous ne prêchons pas pour avoir une foule. Nous prêchons pour que les gens aillent au ciel. C'est ça notre mission. Donc du coup, on n'est pas là pour plaire aux hommes. Nous sommes là pour plaire au Seigneur. Voilà. C'est comme ça. C'est ça l'évangile. Là, l'apôtre Sylvain, là-bas en province, il est en train de dénoncer les impies. Faut voir. Faut voir. Ce qu'il est en train de subir aussi là-bas avec les impies. Des femmes à qui on a dit à l'époque, vous suivez ce voleur-là, ce jeune homme. C'est un faux prophète, c'est un sataniste. Ces femmes nous ont attaqués. Aujourd'hui, 2 ans après, il y en a qui sont revenus en disant, ce monsieur nous a apparu physiquement. Il y en a une qui a dit ça chez elle, avec ses collaborateurs. Je dis, non, vous n'avez pas encore vu. Ils vont encore bien vous apparaître. Parce que vous n'écoutez pas quand le Seigneur vous parle. Au lieu de prendre vos Bibles à la maison chez vous, de prier et d'écouter vos parents qui vous donnent des bons conseils, beaucoup ne veulent pas. Ils veulent des gourous. Ils passent de gourou en gourou. Voilà le problème. Maintenant, il faut qu'ils vous apparaissent physiquement. Voilà. Le Seigneur commence à utiliser même des païens pour dénoncer les faux pasteurs. Parce que cette génération est remplie de chrétiens qui sont lobotomisés. J'ai vu le message d'un prédicateur qui drague la jeune femme, qui dit non, je n'ai jamais aimé quelqu'un aussi sincèrement. Donc je dis, mais lui qui est chrétien et qui te dit que c'est la première fois qu'il aime quelqu'un sincèrement, donc ça veut dire qu'il est faux. Donc en fait, il est en train de se dévoiler. Donc, toutes les fois où il a aimé les femmes en tant que prédicateur, il les a aimées de manière malhonnête. Vous voulez que je parle? Même si vous ne voulez pas, je parlerai. Parce qu'on n'est pas là pour l'argent. Vous savez, quand on a le palu, quand on était petit, on avait le palu, la malaria, on nous donnait la quinine. Hein? On la donne toujours aujourd'hui, hein? La quinine, premièrement, elle est très amère, mais ça soigne. Et deuxièmement, les effets secondaires, là, c'est la démangeaison. Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire, la parole, là, elle paraît dure, on dit, mais il est dur, ce monsieur. Enfin, parce que ce n'est pas ta fille. Voilà. Mais si c'était ta fille, tu dis, qu'on soit tu, tu aurais dit, non, mais... Ce sont des escrocs. Voilà. Parce que nous, après, nous avons le Seigneur qui nous dit, si tu ne parles pas là, il dit, là, c'est toi que j'enlève. Et on ne veut pas partir plus tôt. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le ciel, mais il faut qu'on finisse la mission, il faut qu'on voit quand même les petits-enfants. Amen. Voilà. C'est ça aussi la grâce. Donc, oui. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est pour cela, frères et sœurs, tant qu'on sera en vie, aucune femme ne sera draguée par des prédicateurs. Aucune. C'est-à-dire, si c'est le cas, on dit, allez, fini. Voilà. La guerre. Et vous, les dragueurs des réseaux, écoutez bien, parce que je sais que vous êtes connectés. Parce qu'il y en a un, là, l'autre qui a dragué la sœur, elle dit, non, je suis avec le frère Chouret. T'es avec moi? Tu vas utiliser mon nom comme ça, là. J'ai vu mon nom en plus, tu es avec moi?
Il est toujours sur le nom de Trésor là-bas qui est rentré. D'ailleurs, je dois appeler Trésor. On va aller chercher carrément ce monsieur-là. Là, quand on était à Brazza, on a aussi attrapé un jeune homme qui drague beaucoup de jeunes femmes ici depuis le Congo Brazza, sur les réseaux. Hein? Il parle avec la femme d'un frère chez nous, la femme mariée, mère de plusieurs enfants. Hein? Le mari dit, il faut arrêter avec la sœur. Il dit, non, il m'apprend le lingala. Donc toi, tu veux... Non, il y a des choses là. On va prendre le bâton de plus en plus, je vous dis. Hein? On va vous acheter des dictionnaires pour apprendre les langues. Vous connaîtrez la vérité. Non, ça passe ou ça casse comme ça. Attends, on parle. Hein? Tu n'entends que ça. Et plus on en parle, plus il y en a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on en trouve, on les avertit et puis on les chasse. Voilà. C'est l'évangile, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est écrit ou pas? Voilà. Vous savez, beaucoup parmi vous, ceux qui suivent des enseignements depuis des années dans le monde entier, ils sont touchés parce qu'ils ont entendu la vérité. Donc ne pensez pas maintenant qu'on se connaît, soi-disant, là, qu'on va baisser d'un cran la détermination qu'on a par rapport à la vérité. Non! Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est écrit ou pas? C'est comme ça. Soit vous allez avoir une église, un club, avec des gens du même quartier, de la même ville. Là, il n'y a pas le Seigneur. Vous allez avoir plein de sorciers là-dedans. Soit on veut avoir une assemblée des saints au sein de laquelle le Seigneur règne. Là, il y a la sainteté, sanctification. Voilà. C'est pour cela qu'il y a tous ces miracles que le Seigneur opère, tout ça, parce qu'il voit, déjà c'est la grâce, et il voit l'obéissance de ses enfants ici et là, il opère. Voilà. Vous savez, la nuit, quand tu dors comme ça, on vient, on t'étouffe. Tu te réveilles, t'es pas mort. Le Seigneur te dit, tu vois, s'il n'y a pas la sanctification, tu pars. On fait comment maintenant, là? Je vous dis la vérité, c'est la justice qui nous garde. Hein. Maintenant, si tu ouvres la porte, là, tu prends une autre femme, tu vas mourir avant. Je parle à quelqu'un. Si tu continues dans l'impudicité, là, le Seigneur t'a vu. Une nuit comme ça, dans ton sommeil, tu vas partir. Alors, il faut que tu arrêtes l'impudicité. Tu sais que je t'ai vu. Voilà. Quand on dort, il n'y a plus de vigilance. Vous comprenez un peu? On est livré à toutes sortes d'esprits errants aussi. Déjà, quand on est éveillé, c'est le cas. Mais quand on dort, on n'a plus de vigilance parce qu'on ne peut pas chasser, on ne peut pas prendre la vie parce qu'on est complètement endormi. Voilà pourquoi on dit que le sommeil est le petit frère de la mort. Là, tu es livré. Maintenant, si tu n'as pas une bulle protectrice de la justice, tu es grillé. Et si dans ta famille, il n'y a pas ça, t'es grillé. Parlons justement du combat spirituel par rapport au sommeil. Alléluia. Seigneur, éclaire-nous au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 1er. Mais moi-même, Paulos, je vous prie par la douceur et la bonté du Machir, moi qui en face suis en effet humble parmi vous, mais qui absent suis plein de hardiesse envers vous. Mais je vous supplie que lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de cette confiance dont je compte faire preuve avec hardiesse contre quelques-uns qui estiment que nous marchons selon la chair. Beaucoup de chrétiens de Corinthe disaient que Paul marchait selon la chair,
Mais là, ne pas l'enseignement de ce soir. Nous parlons du combat spirituel et particulièrement le combat qui se déroule pendant le sommeil. C'est un mystère. Et qu'est-ce que Paulos dit plus loin ? Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Donc on ne va pas insulter les gens parce qu'on nous insulte. Non, on ne va pas se battre physiquement parce que les gens nous insultent. Non, pas du tout. On en a parlé un peu hier, une sœur a posé la question hier. Comment tu fais pour ne pas répondre comme ça, là, pour ne pas... Non, non, le combat n'est pas charnel. Le combat, les armes ne sont pas charnelles. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans une guerre spirituelle, une guerre que nous ne maîtrisons pas, avec des ennemis qui sont à la fois visibles et invisibles. Visibles, on peut les rencontrer, comme c'est le cas aujourd'hui dans les réunions d'église, partout. On les connaît, on dit « je connais telle sœur, je connais tel frère », mais alors qu'en esprit, c'est un démon, c'est un sorcier. Judas, physiquement, Paul, Pierre, Jacques, le connaissaient en tant que frère, en tant qu'apôtre. Mais en esprit, Judas était un diable. Le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Mais l'un de vous est un diable. Donc, un diable qui avait la fonction d'apôtre. Un diable qui faisait des miracles au nom de Yéhoshua. Un diable qui est parti en mission, parce qu'ils les ont envoyés deux par deux, avec l'un des apôtres. Le Seigneur le savait. Voilà le combat. Et il dit, nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes, puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. La destruction des forteresses. Forteresses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi a dressé, a construit des forteresses. Et il veut nous enfermer dedans. Un mariage peut devenir une forteresse pour ta vie spirituelle. Une prison. D'accord? Donc, il y a plusieurs forteresses. Une église peut devenir une forteresse pour toi. Une amitié peut devenir une forteresse. Et il faut les renverser. Sachez que nous avons été, comme la parole le dit, créés libres. Dans la liberté et pour la liberté, ne l'oubliez jamais, l'être humain a été créé libre, dans la liberté, pour la liberté. Paul le dit si bien dans Ephésiens, dans Galates 5, il dit c'est pour la liberté que le Machia nous a rendus libres. Donc on a traduit ça littéralement, c'est pour la liberté que le Machia nous a rendus libres. Donc, il ne nous a pas rendus libres pour que l'on soit dans des forteresses. Non. Et une fois tombé dans le péché, Adam, malheureusement, est sorti de la liberté et il est devenu prisonnier. Et le Seigneur, comme vous le savez, dira plus tard à sa femme, « Désormais, tu seras dominé par ton mari. » Et comme on vous l'a souvent dit, du coup, dans le monde, nous avons deux types d'humains. Vous avez les dominants et les dominés. Voilà comment le monde est fait. Et Paul continue en disant, nous renversons aussi les raisonnements. Et troisièmement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Machia. Et ensuite, il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Machia. Donc, il y a des forteresses, il y a des raisonnements,
il y a des hauteurs qui s'élèvent, des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance du Mashiach. Ça veut dire que l'ennemi a mis en place des choses pour empêcher les humains d'avoir la connaissance du Mashiach. Parce que ce qui nous sauve, c'est la connaissance du Mashiach. N'oubliez jamais cela. Tu peux être dans une assemblée comme celle-ci pendant des années et ne pas recevoir, sans avoir reçu la connaissance de la vérité pour être sauvé. Frère, je pleure tout le temps parce que je m'aperçois depuis toutes ces années que très peu de gens seront sauvés. Comme la parole le dit, petit troupeau, le Seigneur a dit. Regardez dans les Écritures. Géasi, serviteur d'Élisée. Élisée était l'homme le plus puissant de l'époque, le plus puissant. Il avait reçu la double bouche, la double onction, la double portion du prophète Élie. Géasi est resté, il était son serviteur. Géasi a vu des miracles. Géasi a vu des choses extraordinaires. Géasi a hérité de quoi ? La lèpre. Et non seulement lui, mais également ses enfants. Et les enfants de ses enfants, toute sa postérité. Comment expliquer cela ? Donc ça veut dire que, tel qu'on est là, on l'a compris hein, depuis des années. Hein, parce qu'avant on était naïf. Émeric a compris cela. Avant, pour nous, pour moi, tout le monde était chrétien. Mais en fait, on n'a pas compris que parmi les chrétiens, vous avez des forteresses, vous avez des raisonnements, vous avez des hauteurs. C'est-à-dire des gens qui sont là, ce sont des hauteurs. Leur mission, c'est de s'opposer à la connaissance de la vérité qui doit vous être communiquée. Pour ne pas que vous accédiez au salut, tout simplement. C'est ça leur travail. Et frère, écoutez bien, on est trop naïf. Moïse est né, Pharaon a voulu le tuer. Pourquoi ? Pharaon était un sataniste. Quand un enfant vient au monde, toutes les naissances qu'il y a sur terre, là, tous les enfants qui naissent, tous les humains qui naissent, ceux du Seigneur ont un signe, il y a un signe autour de ces enfants-là. Il y a une activité spirituelle. Ceux du malin, pareil. Et les satanistes le voient. Donc ils cherchent par tous les moyens à éliminer ces êtres-là. Mais nous, on est trop naïfs. Parmi ces forteresses, vous avez d'abord les humains. Parmi ces raisonnements, vous avez des humains. Parmi ces hauteurs, vous avez des humains. Bien sûr, il y a des démons, ça c'est sûr. Mais parlons d'abord, restons d'abord au niveau des humains. L'ennemi, s'il y a une chose qu'il n'aime pas, parle au nom du Seigneur, c'est la liberté. Parce qu'il sait qu'un être humain libre est un être humain qui va obéir au Père. C'est ça la liberté. La liberté égale obéissance au Créateur. C'est ça la liberté. Il a dit, tu n'assassineras pas, tu n'assassines pas. Donc je ne peux pas le faire parce que je suis libre. Mais un esclave ne peut pas ne pas obéir à son maître. Donc une personne qui n'est pas libre est une personne qui est possédée, qui est gérée par le péché, par le diable. Donc du coup, la personne va obéir à l'ennemi. Donc la désobéissance, c'est l'obéissance à Satan et l'opposition au Créateur. On ne peut pas être au milieu. La liberté. Donc il y a des hommes comme ça, des humains, que Satan a préparés. Dès qu'un enfant vient au monde qui est du Seigneur, Satan va cribler cet enfant-là. C'est comme dans son quartier général comme ça, il sait que par exemple sur Évry, il y a par exemple 1000 naissances. Alors, il va confier des missions à des démons bien spécifiques et à des humains comme vous et moi qui sont satanistes pour suivre toute la vie de ces enfants qui appartiennent au Seigneur, qui viennent de naître, jusqu'à leur mort. Et ces esprits, ces démons qui sont des raisonnements, des forteresses, des hauteurs,
et les humains ont cette mission-là. Et ils nous suivent partout. Ils nous regardent partout. Ils nous connaissent. Ils connaissent nos parents, leurs noms, nos ancêtres, tout. Ils ont tous les noms de nos ancêtres, en commençant par le premier. Parce que quand Adam était créé, Satan était là en train d'observer, parce qu'il était dans le jardin, nous dit la parole. Donc il existait. Satan a existé avant l'être humain, ça vous le savez. Donc il a connu tout de nous. Tout. Et ils vont suivre cet enfant. Et quand cet enfant est touché par le Seigneur, Satan va envoyer ses émissaires dans l'assemblée où se trouve la personne. Et ces gens, ces auteurs, ces raisonnements, ces auteurs, ces gens, ces humains, ils vont venir, ils vont se connecter à nous. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais eux, ils savent, ils connaissent leur mission. Ils vont être gentils. Bonjour, comment tu vas? C'est comme les Sambala et les Tobija. Nous aussi, disait-il à Néhémie, nous prions le même Elohim que vous et nous allons bâtir le temple avec vous. Voilà comment on est naïf et on va serrer la main, donner sa confiance. Et puis tac, on va. Il y en a qui vont se marier avec des frères, avec des sœurs. On dit non, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Je crois que Madeleine qui est là peut témoigner tout à l'heure. Je peux en parler parce qu'elle en a parlé. C'est possible, non, Madeleine? Femme de feu, remplie de feu. Elle a été visitée comme le Seigneur nous a visité tous en 2008 à la conférence Église, où es-tu? Pleine de feu. Elle était vivante au Danemark. Elle est là, on va témoigner tout à l'heure. Remplie de feu. On est parti au Danemark, on a fait des réunions de réveil là-bas, le Seigneur faisait des belles choses. Un jour, elle m'appelle. Ah, je suis tombé. J'ai rencontré quelqu'un, un homme. Ok. Sur Internet, il est pasteur, il est en Côte d'Ivoire. Je dis, Madeleine, je ne suis pas du Seigneur, mais tu fais ce que tu veux. Elle n'a pas écouté. Mais c'était un agent. C'était un agent, et c'est un agent jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur a fait mine de recevoir d'être dans la parole, tout ça. Madeleine est partie avec la famille. Ils ont fait le mariage en Côte d'Ivoire. Le monsieur est venu. Il a eu les papiers. Au moment où je vous parle, ils ont divorcé. Le monsieur a fait deux enfants hors mariage. Madeleine éteinte. Elle a perdu tous les dons, tout ça. Éteinte. Fini. La mort. Vous voyez les forteresses? Elle va témoigner tout à l'heure. Le Seigneur l'a récupérée, restaurée. Mais plusieurs années de perdu. Insultes. Tout ce que tu veux. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. La mort. Il y en a qui meurent physiquement. Le ciblage, le criblage, l'ennemi va cibler, va sélectionner. Il fait des sélections. Tel groupe, telle personne, dans tel quartier, tel. Allez, on cible. Et il envoie ses émissaires. Et l'ennemi sait que nous sommes des êtres émotionnels, des êtres sentimentaux, avec une âme qui a besoin d'être remplie d'amour, d'être, n'est-ce pas, encouragée. Et tac, les gens se connectent. Paul parle des pensées, toutes pensées. Ben pourquoi les pensées? Vous voyez, il parle des auteurs. Il parle, là, c'est des hommes, c'est des humains, mais en même temps, c'est des pensées. Le raisonnement. Et il s'adresse aux Corinthiens, c'est-à-dire aux gens qui aimaient la philosophie. Pour que les Grecs n'accèdent pas à la vérité, qu'est-ce que le diable a fait? Eh bien, il avait suscité beaucoup, beaucoup de philosophes, des auteurs. Paul a eu affaire à ces auteurs, à ces philosophes, à ces raisonneurs de ce siècle. Il le dit dans 1 Corinthiens 1. Où est le raisonneur de ce siècle? Raisonnement, raisonneur. Il en a parlé, Paul. Il dit, le Seigneur a convaincu de folie la sagesse du monde. Il a eu affaire à des épicuriens. Il a eu affaire à des stoïciens dans Actes 17. Et ils se sont moqués même de lui. Rappelez-vous.
Donc il y en a plein. Connexion pour nous égarer. Comme un aimant, on t'attrape et puis hop, t'es égaré. On t'attrape, hop, hop, égaré. Sorti du chemin. On t'attrape, hop, sorti du chemin. Je dis, il y en a beaucoup. Regardez bien beaucoup de ceux qui sont mariés, même ici et là, dans vos couples là. Comment ça se passe? Des maris qui ne veulent pas se convertir. Pourquoi? Mais parce que beaucoup ne sont pas du Seigneur. Vous ne pouvez pas convertir quelqu'un qui n'est pas convertible. Vous ne pouvez pas. La conversion, notez bien, conversion vient du verbe revenir. Conversion, quand vous lisez et convertir. Conversion, en fait, c'est le verbe revenir tout simplement, ou retourner. Vous voyez? Qui a été traduit en français par conversion, convertir. Quand on parle de revenir, c'est que c'est le retour. On revient au point de départ. Voilà. Comment voulez-vous convertir quelqu'un qui... dont le départ est le diable? C'est impossible. Dans Jean 8, au verset 44, le Seigneur dit, vous, vous êtes issus, vous avez pour père le diable et vous êtes issus de lui. Donc comment voulez-vous maintenant quelqu'un qui sort de Satan et qui doit retourner à Satan comme Géasi, comme Judas, comment voulez-vous maintenant que cette personne retourne au ciel? Parce qu'il n'est pas sorti de là. Donc maintenant, si vous épousez un tel être, toi tu es céleste, l'être en question est terrestre, donc déchirure dans le couple. Voilà comment beaucoup d'enfants du Seigneur sont perturbés dans leur vie chrétienne, sont, n'est-ce pas, empêchés d'accéder à la connaissance qui est salutaire. À cause de quoi? Les alliances. Vous n'êtes pas étonné quand on nous parle des réseaux, on dit la toile d'araignée, toile. Vous ne voyez pas que même les mots nous enseignent sur des réalités spirituelles. On dit réseau, parce que nous sommes des êtres créés pour vivre en interaction les uns avec les autres. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est venu maintenant pour connecter les gens. On dit connexion, connecter. Vous ne voyez pas? Connexion interrompue, connexion connectée avec quoi? Avec qui? Parce que toute connexion entre les hommes est une connexion d'abord spirituelle. Ensuite, une connexion au niveau de l'âme, les émotions. Ensuite, troisièmement, une connexion physique. Trois types de connexions. Donc, nous sommes des êtres connectés, connectables. N'oubliez jamais cela. Et là, Paul dit, le combat n'est pas charnel. Non, il dit, le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Ici, il décrit les différentes sortes de pensées que les ennemis, les humains, véhiculent. Quelqu'un qui est raisonneur, qui t'approche, sa mission, c'est de t'amener loin de la foi. Tout simplement. Quelqu'un qui est une hauteur, l'orgueil, l'arrogance, va t'attirer loin du Seigneur. Quelqu'un qui est une forteresse, une prison pour toi, va t'attirer loin du Seigneur. Et tu vas devenir son prisonnier, sa proie. Qu'est-ce que Paul dit aux Colossiens? Il dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Par les rudiments du monde, par les traditions des hommes.
Regardez le nombre de gens qui sont enfermés dans leur tradition, dans la dot, par exemple, pour certains Africains et certains Indiens. Regardez comment les gens sont en prison. Tout à l'heure, une femme, une sœur disait que comme sa mère n'a pas été dotée par son père, maintenant, pour que son père récupère l'enfant, il fallait qu'il donne une dot pour l'enfant. Et ça a été donné. Et imaginez le nombre de frères et sœurs à qui le Seigneur a dit que la dot est une pratique démoniaque, surtout la dot telle qu'elle est demandée aujourd'hui, mais qui, malgré cela, rejettent la vérité, vont quand même se faire doter. C'est leur liberté. Une fausse liberté. C'est leur choix. Mais les conséquences, on le voit, les gens le subissent. Voyez ? Prison. Vous devez savoir que l'ennemi ne veut pas que l'on soit libre pour obéir au Seigneur. Beaucoup de gens meurent étant prisonniers. Si vous mourrez, si quelqu'un meurt étant prisonnier, des forteresses, des pensées, vous pensez que la personne va aller où? Parce que les prisonniers au ciel, ils ne rentrent pas. Non. Et voilà pourquoi il dit, nous amenons toute pensée captive. À quoi? À l'obéissance du Mashiach. Ben oui, les pensées. Tout ce qui existe, ça, tout ce que vous voyez, tout le matériel que vous voyez, ça commence d'abord au niveau de la pensée. Toute réalisation commence au niveau de la pensée. Même le Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, c'est au niveau de la pensée, la parole esprit. Le Seigneur dit, et il y a eu matérialisation. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, la pensée. Maintenant, ce que tu entends ici et là, les gens que tu côtoies, ils ont quelle pensée? Paul dit, nous avons la pensée du Mashiach, mais eux, ils ont quelle pensée? Voilà comment, avec leurs pensées impies et impures, ben, y a des choses mauvaises qui se matérialisent en nous. Et on perd des années, on perd du temps. C'est une guerre. Voilà pourquoi quand une mauvaise pensée vient dans ta pensée, c'est difficile parfois de la chasser. Pourtant, elle est invisible. Mais physiquement, tu peux avoir des réactions. Tu peux parler ouvertement en disant « je refuse ». Mais qu'est-ce qui se passe? On ne la voit pas, mais elle est en train de te torturer. Pour vous dire que les pensées là ont une force terrible. Et imaginez maintenant ce combat. Et on est dans ce combat et quand déjà physiquement quand on est debout, on a du mal avec les pensées un peu qui viennent, on rejette tout ça, parfois on va parler ouvertement, on va chasser et on est combattu, on ne comprend pas, et il y a la dépression qui vient. Mais là quand tu t'endors, on s'affaiblit davantage. Bah oui, Proverbes chapitre 6. Vous comprenez pourquoi les Écritures nous parlent du réveil, du réveil, du réveil, du réveil, du réveil? Proverbes chapitre 6. Le verset 3. Mon fils, fais maintenant ceci et délivre-toi, car tu es venu dans la pomme de ton ami. Va, prosterne-toi et importune ton ami. Ne donne pas de sommeil à tes yeux et ne laisse pas sommeiller tes paupières. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, il faut dormir parce que c'est biblique, d'accord? Mais ça, ici, là, l'auteur veut nous faire comprendre qu'il y a un temps pour tout, en fait. Il a dit de toi dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour dormir, un temps pour ne pas dormir, pour s'éveiller, pour être debout, éveillé. Donc, regardez, il continue, il dit, va, paresseux, vers la fourmi, regarde ses voies et deviens sage. Voilà. Et
Au verset 5, il dit « Délivre-toi comme une gazelle de la main et comme un oiseau de la main de l'oiseleur. » Donc il nous fait comprendre que le sommeil est comme un oiseleur, comme un filet. Maintenant, regardez psaume chapitre 4, toujours par rapport au sommeil. Verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Yahweh, me fais reposer en sécurité. » Donc ça veut dire que en sommeil, dans le sommeil, on peut perdre, on perd une forme de sécurité. D'accord? Et c'est là justement que, aussi, je ne dis pas que l'ennemi ne travaille pas tout le temps, mais particulièrement aussi quand on est endormi, même surtout même physiquement, même spirituellement, c'est là que l'ennemi travaille aussi. C'est difficile d'avoir une attaque de mari de nuit étant éveillé. C'est difficile d'avoir une attaque de femme de nuit étant éveillé. On est d'accord, hein? Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils disent, le gardien veille. Voilà pourquoi quand il y a des attaques, comme le disait mon frère tout à l'heure, ben, le Seigneur, parfois la nuit, il nous empêche de dormir parce qu'il faut veiller, comme des guetteurs. Maintenant, imagine, tu es fatigué, tu t'endors sans prier. C'est comme une porte que tu as ouverte. Les Écritures nous parlent de l'oiseau, ou encore littéralement, du bal ailé. Vous n'avez jamais lu ça? Le bal ailé, que Louis II a traduit par l'oiseau ailé, qui entre dans ta chambre et qui va emporter tes paroles. Ah, Ecclésiaste chapitre 1. Ah ben, lis-nous cela, ma sœur, pour ne pas que les gens disent, il raconte des histoires. En fait, il y a un démon qu'on appelle bal ailé. C'est un oiseau, c'est un démon, c'est une divinité avec des ailes. Sa mission à ce démon-là, c'est d'emporter nos paroles dites dans nos chambres. Ben oui. On peut lire ça? Oui. Ne maudit Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudit pas le roi, même en pensée, et ne maudit pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau des cieux emporterait ta voix, le bal ailé ferait connaître tes paroles. Voilà. L'oiseau des cieux, c'est un démon qui a la forme d'un oiseau et on l'appelle le bal ailé. Bal qui veut dire possesseur. C'est-à-dire, il veut te posséder. Bal veut dire aussi maître. Il veut être ton maître. Mon maître. Voyez? Et ce démon-là, est envoyé par le diable, il vient et rentre dans les chambres et il va entendre les secrets. Voilà pourquoi parfois il y a des choses que vous dites entre vous dans les secrets et on dit, mais comment les gens le savent? Les mystiques, les satanistes sont là et ils vont tout entendre, ils vont tout enregistrer. Maintenant, si dans ta famille, il y a de la tension, il y a des problèmes, des querelles, des problèmes, en fait, toutes les portes sont ouvertes, les portes spirituelles, et ça donne accès à plein de Baal ailés. Voilà pourquoi vous allez avoir des combats, même des enfants qui n'arrivent pas à dormir. Papa, j'ai vu quelqu'un, papa, il y a une ombre, papa, tout. Parce que la maison n'est plus protégée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre... colère, pourquoi? Lisons la parole. On va comprendre ces choses-là. Le combat spirituel. Qui comprend, qui commence qui apprend des choses? Alléluia, gloire au Seigneur. C'est un combat. Moi, avant, quand je dormais comme ça, attaque la nuit. Oula, maintenant, c'est prière quand même, bien comme il faut là. Parce que là, fatigué ou pas, on va marcher un peu quand même, on va lire la parole. C'est important! C'est une guerre parce que là, on rentre dans un autre domaine.
Éphésiens chapitre 5, chapitre 4, pardon, verset 26. Soyez en colère. Alors lui, second ami, si vous vous mettez en colère. Non, ce n'est pas ça. Littéralement, c'est soyez en colère, parce que la colère n'est pas un péché. Non, la colère en soi n'est pas... Le Seigneur se met en colère. Voilà. Quand vous êtes face à l'injustice, ça nous met en colère. Voilà. Mais après, c'est ce qu'on peut faire après. Soyez en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir à qui ? Au diable. Ah ! Donc, quand le soleil se couche, l'ennemi sait que cette période-là est une période durant laquelle beaucoup d'humains baissent la garde. Oui, ils n'ont pas pendant 8 heures de temps, ils n'ont pas le temps de lire la Bible, ils n'ont pas le temps de prier, ils n'ont pas le temps d'être avertis par les humains, sauf par le Créateur. Donc, maintenant, le Baal ailé, lui, sa mission, c'est de nous surveiller. Ce démon, il vient comme ça, il regarde, qu'est-ce qui se raconte ici, qu'est-ce qui se dit, tout ça. Si, même s'il n'a pas accès, pour ceux qui craignent le Seigneur, à nos chambres, nos maisons, mais si une pensée impure, si une querelle sort de notre cœur, comme c'est quelque chose de méchant, qui ne vient pas du Seigneur, automatiquement le Baal ailé qui est à l'extérieur de notre bulle voit cette pensée-là, voit cette chose méchante. Et ça donne un accès à Satan. Et maintenant l'ennemi est là, il se dit, j'espère que la personne, que cet homme, cette femme qui se dit, qui est enfant du Créateur, ne va pas fermer cette porte. Ne va pas parler avec sa femme avant de se coucher avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents. J'espère. Et dans la maison, querelle, problème, l'homme et la femme, tout ça, les parents, les enfants, l'homme et la femme, querelle, pourtant l'homme connaît la parole, la femme connaît la parole, mais les enfants qui sont là, pourtant les enfants sont sous leur autorité, leur responsabilité, mais ils ne comprennent pas leur charge, leur fonction, leur ministère, leur appel. Et ils vont dormir avec la colère. Le soleil va se coucher sur la colère. Ou sur le péché. Là, tu dors comme tu endors comme ça. Tu n'as pas eu le temps de restaurer les choses avec le Seigneur. De fermer les portes. Le Baal ailé donne le signal. Tac ! Le mari de nuit vient. La femme de nuit vient. Et l'esprit de mort vient. Toutes sortes de démons. En fait, tu ouvres la porte et ça rentre. Plein de serpents, des scorpions. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Vous voyez comment ça se passe? Et là, ça va attaquer. Ça va attaquer notre santé physique. Ça va attaquer tout ce qu'on fait. Ça va attaquer notre vie spirituelle. C'est pour cela que vous avez des gens qui, quand ils dorment comme ça, ben, ils font des songes bizarres, ou ils sont en prison, ils sont enchaînés. On les court après eux, on les attrape, on les enferme, on les enchaîne, on les bat, on les tabasse, on les ligote. Ils se retrouvent alors qu'ils sont mariés, en train de se marier encore. Ils se retrouvent avec des histoires bizarres, tout ça, avec des serpents, des choses bizarres. Oui, mais c'est normal. Où ils dorment, ils se mettent à parler. Leur mari ou leur femme les réveille en disant « Mais tu parles avec qui? Tu parles avec qui ?» Pourquoi le Seigneur nous dit qu'il est la lumière? Pourquoi il dit que nous sommes enfants du jour, enfants de la lumière? Pourquoi à minuit, quelqu'un est venu dire aux sages, aux femmes qui s'étaient endormies, les vierges, sages et folles, réveillez-vous, l'époux vient aller à sa rencontre.
Le sommeil, aussi bien physique que spirituel, est un temps, c'est une période, hein, durant laquelle, mes amis, si on n'est pas dans une bonne condition spirituelle, l'ennemi va se servir de nous, il va faire des dégâts. Voilà pourquoi, quand il y a l'apostasie, quand les gens sont endormis spirituellement, eh bien, que se passe? Eh bien, tous les serpents rentrent dans les assemblées, dans les familles, tout ça, là, ça se passe. Si les veilleurs, les anciens, les dirigeants ne prennent pas le bâton, ne sont pas réveillés, s'ils ne sont pas vigilants, eh bien, comme le Seigneur dit dans Ésaïe, quand les sentinelles, mes amis, baissent la garde, c'est fini. Fini. Le sommeil est comme une personne qui ferme les yeux le jour et qui marche. Maintenant, durant la marche, la personne doit avoir un guide. Vous voyez? Mais si toi, maintenant, tu es en désaccord avec ton guide, mais imaginez les dégâts. Vous savez le nombre des gens qui sont initiés dans les églises à la sorcellerie? Il y a un jeune homme qui a témoigné il y a quelques jours. Il est allé voir un prophète, très connu sur YouTube, tout ça, au Congo. Il pensait que c'était un vrai prophète. Connexion, auteur, raisonnement. Le prophète a commencé à l'initier. Ils étaient plusieurs jeunes hommes. Il les a initiés d'abord à l'homosexualité. Et le jeune homme a commencé à aller sexuellement avec son meilleur ami. Pour avoir le troisième œil d'ouvert. Ouais. Il y a 20 ans, je dormais une après-midi. Je reçois une vision. Je vois un policier qui vient me voir. Il me dit, le pasteur Intel que tu connais a accouché avec toutes ses filles. Je dormais dans la salle de l'assemblée à Draveil. J'avais un temps de retraite et prière, jeûne et prière. Et je dis à ce policier, moi je ne suis pas au courant. Je ne suis pour rien. Je me réveille, je prends mon téléphone, je l'appelle. Il me dit, non, je ne suis pour rien, il n'y a rien, tout ça, je ne suis pas dans ça. OK. Je pars à Bressuire, il y a 20 ans, en mission. Arrivé là-bas, pendant que je dormais, je reçois un deuxième songe, une vision. On me dit, ce pasteur a eu des combats avec, il est en conflit avec tous ses dirigeants. Je me réveille, je l'appelle de nouveau. Il me dit, non, tout va bien. Ah. Écoutez, hein, les hauteurs, les raisonnements, les associations. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le Seigneur nous parlait. Pourtant, le Seigneur avait parlé, mais les sentiments. Je dis, il y a un séminaire au Congo, je devais partir au Congo, on peut partir ensemble. Il est parti avec toute une délégation de son assemblée, d'une trentaine de jeunes sœurs, jeunes frères. On a pris un vol. Le vol en question a failli, 15 minutes après le décollage, on est rentré dans une zone de turbulence, l'avion tombait. Je dis, Seigneur, je ne suis pour rien. Il me dit, je suis en train de secouer l'avion. Je vous dis, on n'a jamais été autant secoué. Je secoue l'avion. Il y a trop de péchés dans cette assemblée. Et je te parlais de cet homme-là. Arrivé là-bas, je dis, OK, c'est fini. On revient. C'était même avant de partir. Un couple vient me voir, avant de prendre l'avion. Il n'était pas encore marié, un futur couple. La sœur me dit, je viens te voir pour te confirmer que les deux songes que tu as eus sont la vérité, parce que nous prions là-bas. Ça fait un an que je dors dans le bureau de ces messieurs, nus.
Elle dit, je ne suis pas la seule. On fait des partouzes. Mariée, père de plusieurs enfants. Et plus de 50 femmes sont allées sexuellement avec. Et on a prié pour 30 d'elles ici, pour leur délivrance. Et dans la salle de l'assemblée, en dessous, il y avait une mamie Wata, une femme nue, en esprit, qui dormait là. Il y avait de l'eau et elle dormait en dessous. Voilà pourquoi il y avait toutes ces partouzes, toutes ces... Vous voyez ? Et je vous assure, il y en a qui sont devenus, il y en a une avec qui, était partie, qui est partie avec le pasteur, qui est devenue folle, internée. Il y a eu un scandale. On m'a appelé. C'était horrible. Des gens sont connectés. 20 ans après, il y en a qui sont détruits encore. Et l'un de messieurs qui priait là-bas a fait venir sa fille d'Afrique. Sa fille est venue, qu'il a eue avec une autre femme. Ce monsieur, marié, père de plusieurs enfants, il allait sexuellement avec sa propre fille. Les auteurs. Beaucoup de gens sont dans des forteresses. Il y a des forteresses, il y en a plusieurs. Les hommes, les pensées, les systèmes des hommes, le fonctionnement, les religions sont des forteresses. N'oubliez jamais cela. Vous lisez la Bible, non? Lisez la Bible. Vous avez vu le Seigneur allumer des bougies? C'est dans la religion, forteresse. Lisez la Bible. Vous avez vu le Seigneur dire que le dimanche est le jour du Seigneur? Vous vous rendez compte que nous avons un livre, ce livre-là, la Bible, que le Seigneur a révélé pour notre délivrance, nous les humains. Écoutez, hein, nous avons affaire à des hommes et des femmes qui ont des bacs plus 5, bacs plus 15, des grands professeurs qui lisent aussi ce livre-là. Mais pourtant, ils ne sont toujours pas délivrés. Des forteresses, notamment de la religion. Comment vous expliquez cela? Ils savent parler, ils parlent même, il y en a l'hébreu, le grec. Comment ça se fait? Comment ça se fait que... Écoutez, vous allez voir à quel point il y a des forteresses. Vous allez vous dire, mes frères, tout ça. Écoutez bien, si vous en finissez bientôt. Ce livre, je me répète, la Bible. Le Seigneur a utilisé, vous savez, pour nous libérer des forteresses. Le Seigneur parle la parole, c'est la parole. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre qui peut nous libérer de nos forteresses. Il y en a plein. Sauf la parole. La parole qui a... C'est une épée à double tranchant. 1500 ans ont été utilisés par le Seigneur pour révéler ce livre à l'humanité. Parce que l'humanité a affaire à un être hideux, à un être méchant, le diable, Satan, chérubin, un pour protéger, qui s'est détourné. Et qui a entraîné des myriades et des myriades d'anges qui sont devenus des démons. Et qui a initié beaucoup d'humains à la sorcellerie, à la haute sorcellerie. Et qui utilise aussi des humains qui ne sont pas sorciers consciemment comme étant aussi membres de son armée pour empêcher les autres humains à accéder à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Son objectif, c'est d'amener l'humanité, les enfants qui naissent pour le ciel, qui naissent et qui sont du Seigneur, les amener jusqu'à leur mort avec lui en enfer. Parce qu'il sait que si tu meurs dans le péché, c'est fini. Il t'a eu. Parce qu'il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. Il est réservé aux humains de mourir une seule fois, nous dit la parole. Ensuite vient le jugement. Ce livre révélé par le Seigneur aux humains. Dans ce livre-là, quand le Seigneur a bâti son église, écoutez bien, il a dit quoi? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, il est saint.
Donc, quelqu'un qui dit avoir le Saint-Esprit et qui pêche volontairement, il n'a pas le Saint-Esprit. Pourtant, vous avez des grands professeurs, vous avez des gens de toutes sortes qui disent avoir l'Esprit, mais qui tout en péchant, en pratiquant le péché. Vous voyez la contradiction ? Quand l'Église est née, vous le savez ça ? Dans ce livre-là, vous avez vu quel apôtre, quel prophète, quel docteur, quelle Église ? Vérifiez. Frère, c'est un conseil, vérifiez à chaque fois. Quelle église dans la Bible vous avez vu un pasteur prendre la dîme de quelqu'un? Mais regardez des milliards de chrétiens qui croient à la dîme, des milliers d'évangélistes qui croient que s'ils donnent la dîme, ils vont être bénis. Pourtant, ils ont la Bible, ils peuvent la lire. Ils vont te dire, non, mais les Lévites, étaient une tribu en Israël. Il n'y en a plus. Je veux dire, c'est pas dans l'église. Vous savez que le Seigneur a souffert pour nous. Vous savez qu'il a beaucoup souffert pour que toi et moi, nous devenions des prêtres. Vous savez que sous la loi, aucun prêtre n'a payé la dîme. Maintenant, imaginez tous ces chrétiens qui sont prêtres et qui payent la dîme. En le faisant, ils combattent l'évangile. Il y en a qui le sont, qui le font inconsciemment. Donc, il n'y a pas de souci. Ils vont être éclairés par le Seigneur. Mais imaginez un peu la confusion. Imaginez des forteresses. Imaginez. Imaginez des frères et sœurs que l'on connaît, des chrétiens, même dans nos familles que vous connaissez, ici et là, partout, qui ont entendu parler la vérité, mais qui aujourd'hui ont divorcé, se sont remariés. Imaginez ce que se passe. Les prisons, les forteresses. Ah oui. Vous vous rendez compte? Le jour du jugement, vous savez ce qui va se passer? Apocalypse 20 nous dit que des livres seront ouverts. Des livres. Quand vous lisez livre, dans le grec, lisez biblos. Les livres ou encore bible. Les bibles. Écoutez bien, ça veut dire quoi? Chaque être humain qui vit au monde a une bible pour lui. Dans laquelle, parce que ce sont des livres qui seront ouverts, donc des Bibles. Quand vous lisez le livre de vie, lisez Bible de vie, parce que c'est Biblos. D'accord? Donc, dedans, il y a toutes nos actions. Le Seigneur va dire, tu avais ma Bible, celle qui a été révélée par le Seigneur au prophète pour l'humanité. Montre-moi ce que tu as fait là. Si c'est en accord avec ma parole, montre. Et c'est là que c'est cette parole qui va nous juger. Montre-moi. Et c'est là, quand on va voir toutes ces âmes être jetées dans les temps de feu, c'est là qu'on va réaliser qu'en fait, c'était des forteresses dans des prisons. Et ils n'ont pas voulu sortir de là quand la vérité a été proclamée. Vous savez, il y a le sommeil, il y a l'hypnose, il y a la mort. Regardez comment l'hypnose est banalisée aujourd'hui. L'hypnose est le nom d'un démon chez les Grecs. Il ne faut pas l'oublier. C'est une divinité grecque. Donc, connexion. On vous hypnotise, on vous connecte à cet esprit-là. Et c'est notre génération. Et je vous assure, beaucoup sont initiés. Beaucoup sont initiés. Les esprits sont pollués. Les mentalités sont polluées. Des gens sont initiés. Ils font des cauchemars, des songes, ils volent. Ils font des cauchemars, des songes, ils sont en train de manger, ils participent à des réunions. Ils sont satanistes. Il y en a même qui ne se rendent pas compte. Et puis à un moment donné, ils vont commencer à sortir réellement de leur corps. Hop, ils sortent. Hop, ils reviennent. Un jour, un jeune homme est venu me voir au bureau. Il travaille sur une plateforme pétrolière dans son pays.
il me dit, je veux me convertir. Il dit qu'il était, il m'a dit qu'il était sorcier. Un jour, il est sorti de son corps. Il est allé devant le soleil. Ouais. Il était là devant le soleil, comme ça, pour se balader dans l'espace. Quand deux anges sont arrivés pour lui dire, rentre dans ton corps. Il a été initié à la franc-maçonnerie. Forteresse. Les confréries sont des forteresses. Vous savez le nombre de gens qui sont connectés ? Pentagramme, tout ça, connexion, initiation. Beaucoup. L'ennemi, comment il procède ? Je finis bientôt. Satan, regardez, ça c'est une bulle de protection. Tu es à l'intérieur. Tu es protégé. La bulle, on va dire, c'est la sainteté. C'est la justice. On nous parle de l'habit du Seigneur, la justice. Que l'on dorme, que l'on soit réveillé, si on est juste, si on est justifié par le sang de Yeshua, si on obéit au Seigneur, ben on est protégé. Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Par exemple, tu vas dans une assemblée où un pasteur est sataniste, où tu rencontres des faux frères, ou des satanistes, ils vont te donner un objet. Parce qu'il faut un objet qui va permettre la connexion. À part le péché, il faut un objet. Parfois, c'est des cadeaux. Vous voyez ? Cadeaux. Il y a combien de Français, combien d'Européens ne sont-ils pas tombés malades parce qu'ils sont allés dans des pays, certains pays en Afrique ou en Amérique latine ou en Asie qui ont ramené des masques bizarres et puis après, ils ont amené chez eux, hop, malade, maladie bizarre, cancer, problème, tout ça, ils ne comprennent pas. Ouais. On dit non, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, tout ça ? Donc, on te donne un objet et tu prends cet objet ensorcelé qui va être un objet de connexion, qui va donner des droits légaux aux puissances démoniaques d'accéder chez toi, qui va maintenir une porte spirituelle ouverte. Et toi, tu prends l'objet, hop, oh, l'objet m'a été offert, tout ça, à la maison. Et Satan travaille comme un huissier. Il va venir et il va rentrer. Le Seigneur dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. En moi, il n'a rien. Et lui, quand il va arriver, il dit, ben, ça c'est à moi. Et il va rentrer. Au Cameroun, quelqu'un m'a témoigné. Un couple me disait que le pasteur de l'assemblée où il priait leur a donné à tous les membres un calendrier avec sa photo. Il vendait ça. Et chaque membre devait mettre ça au-dessus de leur lit. Et ils m'ont témoigné, quand le Seigneur les a éclairés, ils ont compris que c'est comme ça, car c'était une caméra, et le pasteur voyait tout. Il suivait toute l'intimité des frères et sœurs de son assemblée, de cette assemblée. Et un jour, quand ils ont été éclairés, ils ont descendu ce calendrier. Le calendrier a commencé à bouger tout seul. Et ils ne voulaient pas sortir. Vous comprenez pourquoi parfois on va vous donner un os pour mettre à la maison ou un tissu pour porter. Vous voyez, certaines religions vont vous donner des objets physiques. Le Seigneur dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Mais il y en a, ils vont vous donner des bracelets, tout ça, des choses à porter, du parfum, de l'huile à utiliser, du sel à utiliser, de l'eau qu'il faut utiliser, des vêtements qu'il faut utiliser, de l'encens, tout ça. Vous voyez un peu tout ça ? Voilà, de la terre d'Israël, plein de choses. Il faut un lien de contact, un objet pour connecter. Connexion.
la liberté. Vous savez, quand le Seigneur dit aux Hébreux, si donc vous demeurez dans mes paroles, vous serez vraiment mes. Ah, il n'a pas dit si vous demeurez dans la religion. Non. Dans mes paroles, demeurez dans ses paroles pour être ses disciples. Et vous connaîtrez la vérité. On demeure dans la parole. Demeurer, c'est prendre place, habiter, s'asseoir dans la parole. Et des connexions qu'on a ici et là veulent, certaines connexions veulent nous sortir de cette position. On demeure dans la parole, on devient disciple du Seigneur et cette vérité nous a franchi. Et ils disent au Seigneur, non, nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Il dit, si vous, n'est-ce pas, il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra fils. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et ils sont tellement orgueilleux qu'ils ont dit au Seigneur, nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Abraham est notre père. Nous ne sommes pas nés de la fornication, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Oh Seigneur. Vous savez pourquoi on a eu beaucoup de clash? Parce qu'à chaque fois, les gens veulent nous contrôler. C'est le contrôle. Le contrôle. Il n'y a pas autre chose dans la vie. Le contrôle. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Tu n'as plus le droit de ne plus avoir le téléphone avec toi pendant quelques temps. Contrôle. Voyez nos générations. On se rencontre ici, pour les gens qui se rencontrent dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous fait rencontrer? C'est la vérité. On est d'accord. Mais les gens qui ne veulent plus la vérité, vous allez voir qu'ils ne vont pas vouloir nous lâcher. C'est quoi leur mission à votre avis? Il y en a, ils ne sont même pas conscients de leur mission. Cette parole-là, vous pensez vraiment qu'elle est vraie? Oh Seigneur! Qui vous a ensorcelé? Paul a dit, ensorcelé, c'est vraiment la sorcellerie. Les Galates étaient envoûtés, ensorcelés. C'est-à-dire des sorciers sont arrivés, ils les ont initiés. Je vous dis, regardez, Émeric a témoigné, 7000 euros, parti. Mais si vous le posez la question, peut-être dans le monde, il était beaucoup plus vigilant, beaucoup plus prudent. Mais dans le Seigneur, comme on parle de l'amour et qu'on comprend mal l'amour, on baisse la garde. Vous voyez là où on tombe? On dit on est frères et sœurs. Et quand le Seigneur va nous juger tous, il ne va pas demander, bon, les pentecôtistes, venez. Il ne va pas dire ça. Présent, nous sommes là. Bon, vous avez été très gentils, vous êtes sauvés parce que vous avez été pentecôtistes. Et les baptistes, oui, présent, nous sommes ici. Ben, venez ici. Et les protestants, ben, venez, nous sommes ici. Et les catholiques, ben, nous sommes là. Les témoins de Jéhovah, ben, venez ici. Tout ça. Et les églises de réveil, hein? Ou des pasteurs sont des stars, venez aussi. Et vous qui avez suivi tel prophète, les Kimbanguis et tout ça, venez. Et les Kimbanguis vont se présenter. Simon Kimbang, on va dire, je ne le connais pas. Les églises de noirs, parce qu'il y en a beaucoup en Afrique, qui se réclament de Simon Kimbangu, prophète congolais qui est mort, avant même que le Kimbanguisme ne soit créé. Il va arriver, non, je ne connais pas. Moi, j'ai prêché Jésus, Yeshua. Voilà, les Haris, un prophète authentique qui a prêché la vérité, ils vont aussi se pointer habillés en blanc.
Les célestes qui s'habillent en blanc aussi avec de l'eau, ils vont se pointer. Tout le monde va se pointer. Le Seigneur va dire, ouvrez la Bible. Le jugement, ce sera avec la parole. Ouvrez-la, la Bible. C'est écrit quoi? Qu'il n'y a de salut, qu'il n'y a de salut en aucun. Hein? Pourquoi toi, tu as parlé à Saint Paul? Mais moi, on m'a appris ça. Oui, mais tu avais la Bible, non? Tu savais lire. Saint Paul a dit quoi? Suis-je, ai-je été baptisé qu'on m'a crucifié pour vous? Non! Saint Paul va dire, tu vois, mes yeux ne sont pas bleus. Regarde le Saint Paul de la photo. Vous voulez que je parle, frère et soeur? On va parler, on va finir bientôt, vous inquiétez pas. Marie va arriver aussi. Elle va dire, non, mais moi, ce n'est pas Marie, c'est Myriam. C'est Myriam. OK. Oh ben, ça, regarde, maman Maria, j'ai sa photo. J'ai la photo qu'on m'a donnée par le prêtre et tout ça. Notre prêtre était gentil. Myriam va dire, non, j'ai jamais eu les yeux bleus. Oh! Forteresse. Raisonnement. Vous voulez que je parle? Ça va être terrible. Tu vas venir comme ça, je fais mes prières avec les boules, tout ça, machin. C'est écrit où? Oui. Question. Bonjour à tous. Ça me faisait, tout à l'heure, tu parlais des connexions, souvent au niveau des objets. Et c'est vrai que lors des décès, souvent on prend les affaires du défunt, de la personne morte, et puis on se met à les distribuer. Et il y a souvent des gens qui gardent des bijoux. On dit, bon, voilà, souvent on ne les porte pas, mais on les garde en souvenir. Ça peut faire aussi office de connexion. Ben, si la personne décédée n'était pas vraiment clean, c'est clair. Voilà. Si la personne a eu sa bague mystiquement, toi tu prends ça comme cadeau, tu reçois l'héritage, c'est un héritage spirituel que tu as, que tu reçois. Ça se transmet. Vous savez, une famille que je connais, un monsieur, donc leur oncle devait mourir. Il avait un objet qui a été transmis de génération en génération. C'est une petite calebasse comme ça là. Celui qui recevait ça devenait riche et sa mission était de s'occuper de tout le monde, de toute la famille. Et souvent, il mourait mystiquement à chaque fois. Et avant de mourir, il savait qu'il allait mourir. Et à chaque fois, celui qui hérite de ça, sait, le jour de sa mort, il sait, quelques jours avant de mourir, il va maintenant chercher un héritier. Ouais. Et je connais une famille comme ça. Le monsieur, leur oncle devait mourir. Il a proposé à ce que cette marmite soit donnée, confiée à son neveu, à l'un de ses neveux. Et le papa de cet homme a dit, « Niet, mon fils ne va pas hériter de cela. » Et la plupart des enfants de cet homme sont morts, sauf une qui est restée. Ils sont morts comme ça. Donc c'est des réalités. C'est pour cela, oui. Un témoignage, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et en fait, ce que tu dis est vrai. Alors, je me rappelle quand j'ai perdu ma mère en 96. J'avais 16 ans. Et on avait pris ses mains. On avait lavé ses mains pour mettre cette eau dans une calebasse, en fait. On avait caché à la maison. L'eau? Oui, l'eau. OK. Ça, c'est en Côte d'Ivoire? Non, Cameroun. Au Cameroun, OK. Oui. Et le Seigneur, en fait, quand le Seigneur m'a touché en 2014, ben, j'ai dit à mon grand frère, vous cassez tout ça et vous balancez la forêt. Mais si Seigneur, il avait obéi, donc c'est la vérité. Donc maintenant, quelqu'un qui meurt, qui n'a pas Christ, ben, effectivement, il y a les démons qui... Obligé. Voilà. Et ça possède toute la famille, en fait. Ça fait de toute façon, quand quelqu'un fait une alliance avec le diable va lui donner des objets aussi, de culte. C'est comme ça se passe.
la personne, avant de mourir, doit transmettre cela. Le diable va lui dire, bon, tu devais mourir, par exemple, à 70 ans, mais moi, je vais enlever 20 ans de ta vie. Tu vas vivre que 50 ans et tu auras beaucoup de succès, beaucoup de gloire. Mais parmi les enfants que tu auras, il y en a un qui va être mongol, par exemple. Vous voyez ? Ou il y en a un qui va avoir une plaie bizarre, ou toi-même, tu auras une plaie bizarre. Il y a plein de choses comme ça. Des alliances, des connexions. Il y a un cousin à toi, oui ? Désolé. Hein. Il y a un cousin à moi, il a une blessure qui ne finit pas. Mm-hmm. À l'heure où je vous parle, hein. Et je lui ai parlé du Seigneur, parfois lui et moi, c'est les clashs, quoi. Mais je prie pour lui. Il a une grosse blessure, inguérissable. Il y a là, c'est des blessures dues à une maladie physique. Non, là, c'est une blessure mystique. Parce okay. que les satanistes viennent lécher la blessure, en fait. Mais si, ce sont les choses qui se... Bien et sûr. Ça, et ça, ils le savent. Bien sûr. Donc, voilà. Bien sûr. Oui. C'est pour cela qu'il faut rester avec la parole. Je ne parle pas d'une église, ni ici, ni ailleurs. Mais la parole, mettez en pratique la parole. Un conseil aux parents. Commencez, si vous ne le faites pas, à faire des études bibliques avec vos familles à la maison. Prenez le temps avec vos filles, vos fils. Convoquez vos fils, vos filles à la maison, invitez-les chez vous. Prenez, restez autour d'une table, prenez la Bible, méditez. Vous n'avez pas besoin d'un prophète, d'un pasteur, d'un apôtre, tout ça. Là. Vous avez, si vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Méditez en famille comme Noé. C'est important, c'est capital, c'est salutaire. Oui, ma sœur. J'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, parce que je suis déjà angoissée et stressée. Parce que je me dis, ça va être chaud. Moi, je parle pour moi, parce que je me reconnais. Quand tu dis que chaque enfant est né avec un livre, un Bible, où toutes nos actions sont écrites, là, je me dis, mais c'est chaud pour moi, en fait. Pourquoi ? Ah, c'est chaud, frère, parce que je me dis, le Seigneur sait. Mais je me dis, mais si avec ça, quand vous nous jugez, je préfère être honnête avec le Seigneur, qu'il me pardonne déjà d'avance parce que c'est chaud. Bien sûr, parce que l'Apocalypse 20 nous dit que lors du jugement dernier, des livres seront ouverts. Tu vois, non ? Des livres seront ouverts et les gens seront jugés selon ce qui est écrit dans ces livres. Qu'est-ce que c'est écrit dedans ? Les actions des hommes. Donc vous voyez, à chaque fois que vous faites... Vous volez, vous mentez, vous faites du mal, vous manquez du respect aux policiers, vous manquez du respect aux autorités. C'est écrit. Vous savez que dans Ézéchiel 9, il y a un ange, on appelle l'homme, l'homme avec une écritoire. On l'appelle l'ange, l'homme scribe. C'était un ange que le Seigneur avait envoyé pour écrire. Le jour de notre naissance, c'est écrit. Le jour de la conversion, tout est écrit. Toutes les pensées, tout est, le Seigneur, tout est écrit. Et des livres seront ouverts, donc on ne pourra même pas mentir. Je vous recommande même la lecture d'un petit livret qui nous a, à l'époque de notre conversion, fait beaucoup de bien. Le film de ma vie. Qui a déjà lu ça ? Ça parle, hein ? Je vous recommande ça. Ce n'est pas nous qui l'avons mis en place, hein. Ça date, il y a des années. Le film de ma vie. Vous cliquez sur Google, tout ça, là, vous allez voir, ça va sortir. C'est chaud. Voilà. Le Seigneur avait bien inspiré cette personne qui a fait ce petit livret, là, tout ça. Là. Le film de ma vie. Donc, le Seigneur dit, lors du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles qu'ils auront proférées. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, c'est écrit. Rien n'échappe au Seigneur. Rien. Voyez, nous sommes faibles. Oui. Une question là-bas d'abord, oui. Oui, bonjour frères et sœurs. Je voudrais... Bonjour frères et sœurs, vous m'entendez ? Ah, ça ne marche pas. Il n'y a pas notre micro. Hein. Bon, on va te donner le... Je vais te donner le mien. Ah, Anna, non. Bonjour tout le monde. En fait, je voudrais témoigner que c'est la vérité parce que j'avais reçu un songe une fois où on montait au ciel et arrivé, en fait, on était comme dans une salle d'attente et chacun avait une Bible, en fait, et c'était la Bible.
Et on devait chacun passer en fait à son tour pour être, on nous questionnait en fait, pour dire voilà, tu as fait telle chose. On était assis devant quelqu'un, bon c'était dans le songe, hein, quelqu'un qui était assis en face de nous et qui nous disait voilà, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Et à chaque fois, si la personne était retrouvée, en fait je pense que c'était l'enlèvement de l'église en fait. Et l'église était passée devant un tribunal. Enfin, un jugement, et on devait chacun aller dans un endroit ou dans un autre. Et du coup, merci. Du coup, c'était juste pour témoigner que c'est vrai, parce que voilà, il y a vraiment des livres en fait. Le Seigneur me l'a montré en songe, donc c'est écrit hein, pour que le Seigneur vienne à partir du verset 11 là-bas, oui. Oui, ça suscite beaucoup de questions, c'est très bien. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Moi, j'avais une question. Je crois que c'est dans le livre de Colossiens. Mm-hmm. Il est marqué que les actes qui nous condamnaient ont été effacés par le sacrifice de Yeshua, mm-hmm. son sang. Donc, quand vous dites que dans les livres, tout est écrit, et là, on nous dit que le sang de Yeshua a effacé tous les actes qui nous condamnaient. Ah, ça, c'est la loi de Moïse. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ces ordonnances-là, c'était par exemple la dîme. Si tu ne payais pas la dîme, tu étais maudit. Tu vois ? On dit l'acte dont les ordonnances. Donc il est question de la loi mosaïque. Voilà pourquoi. Regarde Colossiens 2. Parce que vous voyez l'erreur que beaucoup commettent. Ils pensent que parce que tu as adhéré à une église locale, tu as pris ton baptême, maintenant si tu couches, si tu pêches volontairement, tout ça, ça s'efface automatiquement. Non. Colossiens 2. C'est très bien comme question parce que ça va beaucoup éclairer. Hein? La parole dit qu'on ne se moque pas d'Elohim, c'est qu'un être humain sème, il le moissonne aussi. On est d'accord, non? Voilà. Colossiens chapitre 1. Regarde le verset 14. On nous dit quoi? Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous était contraire. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. À la croix, quand il a dit tout est accompli, c'est accompli. Il y a quelque chose qui a été déchiré, c'est quoi? C'est le voile. Le voile du temple. Pourquoi? Pour nous donner accès au sein de saints. Au sein des saints. Donc le voile, c'est la loi de Moïse, tu vois, non? Oui, oui. Donc l'acte en question, c'est la loi de Moïse et ses ordonnances. Regarde, plus loin. Verset 16, tu peux le lire? Oui. Amen. Je lis au nom de Jésus que personne donc ne vous juge sur un aliment ou sur une boisson ou en matière de fête de nouvelle lune ou de Shabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps, c'est le Mashiach. Ah, tu vois? Donc les ordonnances, là, c'était le sabbat. Tu sais que les gens qui n'observaient pas le Shabbat étaient lapidés. Oui. Donc les gens étaient condamnés. Mmh. Les femmes qui avaient leur menstrue n'avaient pas le droit d'aller au temple. Oui. Donc condamnés. Mmh. Les étrangers n'avaient pas le droit d'être dans le temple. Les lépreux n'avaient pas le droit d'être dans le temple. Mmh. Les femmes qui avaient une hémorragie n'avaient pas le droit d'aller dans le temple. Donc toutes ces ordonnances-là. Maintenant, les actions que nous posons aujourd'hui, nous serons récompensés par nos œuvres, non? Grâce à nos œuvres, on est d'accord? Le salut, nous l'avons reçu gratuitement. Maintenant, les couronnes, toutes les couronnes, récompenses, c'est par rapport aux œuvres. Maintenant, celui qui fait des mauvaises œuvres, il va récolter quoi? De mauvaises choses. Celui qui fait des bonnes œuvres aura de bonnes choses. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, ce qui fait que tout ce que nous faisons, tout est consigné. Le bien comme le mal. Comment? Si on se repent, nous qui sommes chrétiens, nous nous sommes repentis de nos péchés grâce au Seigneur. Notre passé est effacé. Alléluia. Mais celui qui se dit chrétien, mais qui pratique le péché, mais il n'est pas chrétien. C'est un faux chrétien. Et le problème, c'est que nous avons plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu as compris un peu, hein, Divine? C'est ça, en fait. Oui. Ah, le micro ne marche pas. Oui. Oh. Il y a des fois, je dis, le Seigneur, il est magnifique. Parce que
Ça fait un moment que je pensais à venir vous parler. Mm-hmm. Et je me disais, bon, ça va passer, ça va passer, ça va passer, jusqu'à hier. Et donc moi, j'ai vraiment prié le Seigneur parce que, voilà, j'avais des nuits où je m'arrêtais quasiment... je me réveillais à minuit et j'avais plus le sommeil jusqu'à 6 heures. Je pouvais tout faire, me retourner à gauche, à droite, plus de sommeil. Et j'allais au travail comme ça et voilà, à la longue, la pression, donc du coup, ça n'allait pas. Et du coup, j'ai dit à... Donc, bon, j'en ai pas parlé à Sandra, mais j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, hier, il y avait la veillée, je ne pouvais pas venir. Je dis, Seigneur, là, c'est... J'en peux plus, c'est mort. Et là, vous avez dit, oh, je serai là demain. Et là, j'ai dit, Seigneur, merci. Je vais quand même venir parce qu'il faut que j'en parle. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, avant que je dise quoi que ce soit, il faut que je sois sûr que tu parles, que tu dises quelque chose qui me concerne. Et la dame assise derrière ici ne faisait que dire, je sais pas, elle parlait au téléphone, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle parlait au téléphone, elle dit, j'ai la conviction, le Seigneur, il va te parler, ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle disait. Et là, j'ai saisi cette parole, et en fait, tout ce que vous avez dit, mais de la première ligne à la dernière, c'est exactement ce qu'on vit. Waouh. On se regardait parce qu'on se demandait est-ce que le Seigneur était venu dans votre chambre ou je sais pas quoi, mais l'aigle royal était là. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Et la naïveté, effectivement, parce qu'on a ouvert la porte à beaucoup de personnes par gentillesse. Et comme vous disiez, l'ennemi va jamais passer par des gens qu'on connaît pas. C'est des gens qu'on connaît. Mm-hmm. Et on est tellement gentil parce qu'on se dit, bon, c'est quand même la famille, on ne peut pas dire non, qu'au final, on paye vraiment, 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 mais vraiment le prix. Et au point où j'en étais arrivé à un stade où si aujourd'hui, si le Seigneur ne parlait pas, je repartais en me disant, bon, allez, c'est terminé, quoi. Waouh. Et je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais voilà, j'ai pas envie de... S'il te plaît, tu peux... Gloire au Seigneur. Bah, tu vois, le problème de beaucoup de chrétiens, comme je le disais, on comprend mal la parole. Vous voyez ? Le Seigneur dit, il faut l'amour. Et pour beaucoup de chrétiens, l'amour, c'est le laxisme. L'amour, c'est recevoir quelqu'un chez soi sans demander la volonté du Père. Vous voyez l'erreur ? Parce que la Bible parle de l'hospitalité. Donc du coup, quelqu'un qui a besoin d'un toit, on se dit d'emblée, viens dormir chez moi. Ça peut être une forteresse pour toi, cette maison. Ou cette personne qui vous accueille peut devenir une forteresse pour vous. On connaît des cas où des frères et sœurs ont reçu quelqu'un chez eux et la personne était sataniste, a initié les enfants. Pourtant, ils étaient chrétiens. Mais ils ont été initiés parce que les parents chrétiens n'ont pas été vigilants. Donc, tac, une attaque a été lancée contre les enfants. Donc, c'est pour cela que, en tant que chrétien, quand nous sommes face à un besoin, telle que l'hospitalité, tout ça, on doit toujours dire, Seigneur, la personne me demande de l'aide, qu'est-ce que toi tu dis ? Montre-moi l'état d'âme de la personne. Parce que physiquement, je la connais, mais spirituellement, je ne la connais pas. Qu'est-ce que toi tu dis ? Un frère vient, dit, ma soeur, je veux t'épouser, le Seigneur m'a dit, c'est toi ma femme. D'accord. Ok, je veux prier. Seigneur, montre-moi l'état d'âme de la personne. Prends ton temps, parle-moi, montre-moi. Parce que vous pouvez demander aux humains comme moi, on peut se tromper. Mais le Seigneur ne se trompe jamais. Vous voyez ? D'abord le Seigneur. Et ensuite, on peut demander aux frères et sœurs, bon, vous connaissez la personne, c'est comment tout ça là ? Ça nous est pas. Nous tous, on a fait ces erreurs-là. Quelqu'un qui vient comme ça, tac, donne-moi ton numéro de téléphone, on se connaît, on va prier ensemble, on a des programmes ici et là. Souvent, c'est comme ça se passe après les réunions comme ça. Là. On a des réunions ici et là. Mais est-ce que tu connais l'état de la personne ? Non. Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi. Il y a des frères et sœurs qui étaient touchés chez eux par le Seigneur. Ils étaient libres chez eux. Ils lisaient la Bible tranquillement chez eux. Ils priaient tranquillement chez eux. Ils recevaient des choses de la part du Seigneur chez eux. Une fois qu'ils ont intégré des groupes, ils sont devenus captifs. Ils ont commencé à être dépouillés financièrement. Ils ont commencé à être contrôlés. On a commencé même à leur dire à quelle heure prier. Ils ont commencé à leur dire, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Ton père qui t'a engendré, ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, elle ne t'a pas mangé. Et depuis que tu as intégré ce groupe, maintenant elle devient sorcière et tu ne veux plus lui dire bonjour.
était allaitée. Tu as bu son lait pendant des mois et des mois. Tu n'étais pas mort, morte. Maintenant que tu es chrétienne, elle va te tuer. Vous voyez la confusion qu'on met dans la tête des gens? Et on baisse la garde. Oui. Oui. Le micro. Bonjour. Franchement, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Et je me dis, mais est-ce qu'on a réellement une chance? Tu vois, moi, je fais partie de plein de clubs d'entrepreneurs parce que j'ai une entreprise pour la connexion, mes connexions business. Tout ce qui est réseau, ça me saoule, donc j'accepte pas tout le monde. Les trucs bizarres, je les bloque. Mais ma belle-sœur, elle m'offre tout le temps des cadeaux. Je me dis, son père, il est chaman, mais je me dis, c'est, son père, c'est pas elle. Et là, je pars dans plein de choses. Et je me dis, bah, mon mari, on est séparés depuis 2 ans, mais lui, il m'a eu à l'usure. Et je me dis, mais Seigneur... Je suis venue en joie pour te louer et là je repars mais j'ai l'impression d'être écrasée parce que je me dis mais est-ce que j'ai une réelle chance de m'en sortir, de m'accrocher à toi, de garder ta parole? Parce que entre les faux chrétiens, les vrais chrétiens, les ennemis, ceux qui nous aiment, ceux qui nous aiment pas, juste parce qu'on a une robe, juste parce qu'on a ceci, et ceux qu'on aime, mais en fait c'est les mauvais. Je me dis mais est-ce qu'on a une chance? Très bien. Alors, on n'a pas de chance. Plutôt la grâce. Alléluia. On se comprend, hein? Voilà. Mais en fait, regarde. Pierre a prêché la Acte 2. Ils eurent le cœur tellement touché qu'ils ont dit, « Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? » Si la parole ne produit pas cet état dans nos cœurs, c'est que c'est... Soit on est... C'est ça qui... Voilà. Le Seigneur dit dans Isaïe 65 qu'il faut trembler à sa parole. Il répond aux gens qui tremblent à sa parole. Vous savez, quand les apôtres enseignaient les gens, il y en a qui criaient. Frère, on fait quoi? Parce qu'ils étaient comme déshabillés. Une question pour toi. As-tu pardonné? Je travaille. C'est la question que le Père me demande de te poser. Personne ne peut être sauvé en dehors de l'évangile. Personne, ça vous le savez, ne peut être sauvé parce qu'il chante bien. Personne ne sera sauvé parce qu'il chante bien. Personne ne sera sauvé parce qu'il prêche bien. La parole nous dit dans Psaume 49, le salut de leur âme, n'est-ce pas, le rachat de leur âme est impossible. Aucun humain ne peut racheter un être humain. Personne. Impossible. Et humainement parlant, c'est impossible de pardonner. Moi le premier. Tu vois, non? Maintenant, le problème, c'est quoi? Le Seigneur dit, accepte de pardonner et moi, je t'aide. Le problème, c'est que quand on est blessé, on a du mal maintenant à accepter. Parce qu'on dit, mais Seigneur, mais si je pardonne, la personne va bien se comporter. La personne va bien se porter. C'est difficile. Pardonner, c'est mourir. Voilà pourquoi on ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. Obéir, c'est mourir. Voilà pourquoi le Seigneur utilise les morts par rapport au péché, pas les morts physiques. Donc, c'est important. Les cadeaux, oui, ça c'est pas son père qui t'offre les cadeaux, c'est elle, donc il n'y a pas de souci. Elle, ce n'est pas son père. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Mais il faut toujours demander par comment au Seigneur. Voilà. Oui. C'est chaud. Ah oui. Oui. Hein? Qui va être sauvé, parce que moi j'ai peur pour moi. Les apôtres ont dit, Seigneur, et qui peut être? C'est écrit ou pas? Et il a dit quoi? Cela est impossible, oh, mais à Elohim, tout est possible. Hein?
Oui. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Non. Oh là là, Madeleine, tu peux venir, ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ici. Hein. Bonjour à tous. Bonsoir, ouais. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai mon cœur qui bat la chamade. J'ai envie de me retenir, mais je ne peux pas. Je vais exposer quelque chose. Alors, il y a peut-être 4 ou 5 mois de cela, il y a une sœur qui m'avait appelée, une ancienne du Gabon, qui m'avait dit qu'en fait, qu'elle cherchait à parler avec moi depuis longtemps, mais elle ne tombait. En fait, elle n'avait plus mon numéro. Et comme ça, en fait, elle me dit, l'année où tu es partie du Gabon, une voix était venue me dire en songe que tu n'enfanteras plus. Et je l'ai écoutée jusqu'à la fin, et puis je lui ai dit, écoute, je ne prends pas ce que tu me dis, parce que moi, je sais ce que le Seigneur m'a dit. Mais depuis pratiquement 3-4 jours, cette phrase est revenue dans mon esprit. Et depuis tout à l'heure que tu parles, j'ai ouvert une porte dans la colère. Je me suis mise en colère avec mon fils qui a posé un acte qui nous a plus ou moins un peu tout déstabilisé en fait. Et je ne me sentais pas bien depuis 2 jours. Et je suis allée devant le Seigneur, j'ai parlé avec lui, j'ai appelé une sœur, je lui ai expliqué un peu ce que je vivais. En fait, pour revenir, depuis tout à l'heure, en fait, je comprends pourquoi en fait, cette phrase est revenue dans mon esprit, parce que j'avais ouvert une porte dans la colère, mais je me suis repentie. Et là, tout à l'heure, en fait, le Seigneur me mettait à cœur qu'il faut que tu exposes. En fait, la sœur m'avait, en fait, la parole qu'elle avait injectée, ça ne venait pas du Seigneur, en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et là, ça fait combien de temps que tu es mariée? Ça fait 7 ans que je suis mariée. 7 ans. Et cette parole, tu l'as reçue il y a combien de temps? Il y a 4 mois. Trois, quatre mois, oui. Ok. Tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà, tu peux avancer, s'il te plaît. S'il te plaît. La parole, quand elle est donnée, elle est comme c'est la lumière. Elle révèle notre état. Et là, on est assourdi, on est... Et là, c'est là qu'on crie au Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Amen. C'est ça l'évangile. Ton mari est là, hein? Non, il n'est pas là. Ok. Waouh, Seigneur, que ce nom soit béni. On peut prier pour elle. Père, au nom de Yeshua, que cette parole soit brisée maintenant. Au nom de Yeshua, le Seigneur est sauveur. Brisée! Oh Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Que cette chose s'en aille maintenant. La stérilité là. Quitte son ventre là. Fini là. On a Yeshua. Nous brisons cette parole, Seigneur. Nous brisons cette parole. Nous brisons cette chaîne. On a Yeshua. Tout ça là. On a Yeshua. Alléluia. Bon, tu peux toucher, prier au niveau de son ventre là. On a Yeshua, le Seigneur Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un démon impur qui sort d'un corps là. Au nom de Yeshua aujourd'hui. Là. Tu vas quitter ce corps-là et plus jamais. Ton règne est fini dans ce corps, c'est fini. On a Yeshua, le Seigneur et Sauveur. Ne reviens plus jamais. Madeleine est où? C'est fini. Fini. Alors? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça va. Ça va aller. On a Yeshua. Amen. Ah ben, tu peux le dire. Tu vas enfanter. Amen. Au nom de Yeshua, amen. Amen. Alléluia. Mm-hmm. Je peux dire que je suis une ressuscitée. Alléluia. Amen. Je pense que tous ceux qui sont ici sont des ressuscités. Alléluia. Alléluia. Waouh. Franchement, si je n'avais pas rencontré le Seigneur dans ma chambre, sans pasteur, sans personne, je ne sais pas si je serais aujourd'hui en face de vous. Parce que les tribulations que j'ai vécues, elles étaient trop violentes, quoi. Vraiment violentes. Il a dit, le frère Chora, j'ai été enfermé dans une forteresse. J'ai été enfermé vraiment dans une forteresse pendant presque 10 ans. 7 années de vache maigre, plus 3 ans, comme je dis, que le Seigneur a rajouté à cause de la désobéissance. Je parle de la désobéissance parce que ce n'est pas le péché qui m'a amené là-bas. Parce que grâce à Dieu, lorsqu'il parlait de péché tout à l'heure, ce bouclier, que lorsqu'on se convertit, lorsqu'on rencontre le véritable, ce bouclier que le Seigneur nous donne,
C'est ce qui m'a gardé, alléluia. Alléluia. Parce que sans ce bouclier, sincèrement, je pense que j'aurais été sujette à la mort. Mais la mort physique, hein, et la mort spirituelle au-dessus. Parce que la mort physique, j'avais pas abandonné le Seigneur, mais j'avais perdu ce feu puissant que le Seigneur, avec lequel il s'est révélé à moi dans ma maison. J'adore le Seigneur, je prie le Seigneur. Il me garde dans la sainteté, mais j'avais perdu ce feu. En tant qu'enfant du Seigneur, on a besoin de ce feu, parce que ce feu aussi sert à communiquer la vie. Alléluia. Amen. Le jour où je me suis convertie dans ma chambre, lorsque je suis sortie de ma chambre, il y a eu 17 conversions. 17 conversions, non pas parce que moi, j'étais convertie, mais la vie qui émanait en moi. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur vous visite, et véritablement lorsque vous êtes converti, il y a la puissance de Dieu qui vous accompagne. Et c'est cette puissance qui va vous accompagner tout votre parcours. Converti en 2004, aujourd'hui nous sommes en 2023, je suis debout par la grâce de Yahushua. Alléluia. 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 Ça c'est une victoire. C'est ça la victoire. La victoire c'est ça. C'est d'être encore debout. Je n'ai pas fini mon parcours, grâce à Dieu. Alléluia. Je vous prie de prier encore que le Seigneur me donne de longue vie. Mais aujourd'hui, je voulais témoigner. Je suis rentrée il y a 2 jours. Il y a 2 jours de Corée. Alléluia. 2 jours, j'étais en Corée. Et déjà, avant de partir en Corée, je veux parler de la veillée. C'est à la veillée que le Seigneur m'a restaurée. Alléluia. Je n'ai pas encore retrouvé vraiment encore tout mon faya. Mais je commence à m'exercer. Alléluia. Alléluia. Je m'exerce. Alléluia. Mais je m'exerce. Les paroles de connaissance, elles reviennent. Alléluia. Amen. Pour ma famille, la puissance de la guérison commence à revenir par la grâce de Yahushua. Alléluia. Et ça, encore une fois, c'est la puissance de Yahushua. Et c'est l'amour qu'il a manifesté. Et surtout, c'est le fait d'être resté dans la sanctification. Parce que pendant ces 10 ans de vache maigre, tout le dépôt que j'avais en moi, tout le dépôt, toute la parole, tout l'enseignement qu'on a reçu, alléluia, et bien c'est ces paroles qui m'ont gardé. Ils m'ont gardé du péché. Je travaille dans des cercles de pouvoir. J'ai été, en tant que partie du ministère, femme de ménage ici, je me suis retrouvée au rang de ministre dans mon pays, en Guinée-Bissau. Amen. Comment expliquer? Et c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole du Seigneur. J'ai fait un écart, il m'a mis de côté. Alléluia. Il m'a mis de côté. Mais là, maintenant, je suis revenue et je suis venue vous raconter un témoignage. 2 témoignages. Le premier, je pars en Corée. C'est une autre contrée. Moi, je n'ai jamais été en Asie de ma vie. Je ne vous cache pas qu'avant de partir en Corée, j'étais un peu pas bien, quoi. Je demandais autour de moi, oui, personne n'a jamais été en Asie, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas des contacts. Personne ne m'a donné de contact. Je dis, mais attendez, avec le réseau que j'ai de fou. J'ai un réseau sur LinkedIn, j'ai un réseau incroyable. Et il n'y a personne qui a été en mesure de me donner un seul contact en Corée. Je pars en Corée comme ça, je dis bon, Yahushua, au moins t'es là, alléluia. Je prends l'avion, 15 heures de vol, j'arrive en Corée pour une mission. Et il y a une personne que j'avais vue, quand j'avais écrit, personne ne connaît la Corée ou qui en Corée pour m'aider. Et il y avait une personne qui était sur LinkedIn qui m'a répondu, qui m'a dit, écoute, oui, on s'est déjà rencontrés au moment où tu travaillais au Gabon, à la présidence au Gabon. Et je dis, ah oui. Et vous vous souvenez, au Gabon, pour ceux qui s'en souviennent, je suis rentrée dans le pays sans visa. Et pour ceux qui connaissent le Gabon, c'est un peu la France bis. C'est impossible de rentrer sans visa. Mais le Seigneur m'a envoyée au Gabon sans visa. Et donc, je l'avais rencontrée à la présidence. Et cette personne me dit, écoute, moi, je suis ici. Il n'y a pas de souci, je peux t'aider. Donc, on discute comme ça par téléphone. Et puis, il s'avère qu'il me dit qu'il est chrétien et tout. Je lui dis, ah oui, tu es chrétien et tout. On continue à discuter. Et puis, comme Chora, il a fait une mission magnifique au Gabon,
puisque tout le monde sait. Je lui dis, mais tu connais pas TV de vie ? Si, si, je connais Chora. Non ! Vous arrivez dans un pays, en Asie, vous connaissez personne, et le premier nom qu'on vous donne, c'est le nom de l'apôtre, du frère, alléluia, de l'ami Chora. Non, mais j'étais vraiment... Je suis restée comme ça, bouche bée, je me suis dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. C'est-à-dire que je voulais d'abord remercier vraiment le frère, parce que par rapport à tout mon parcours, depuis que je l'ai rencontré, jusqu'à aujourd'hui, franchement, il a supporté. Il a supporté, il a prié, il m'a encouragée. Et aujourd'hui, j'arrive dans une nation où je ne connais personne et son nom. Et pour moi, c'était un témoignage fort du Seigneur pour me dire qu'il est là, qu'il est avec moi. Ensuite, mes dons ont été restaurés, bien évidemment, mais aussi, je suis passée par une période de vache maigre. Et même ma profession et pour lequel le Seigneur m'a appelée, ça a été restauré. Alors, tout était bloqué jusqu'au point où je suis arrivée dans le gouvernement de mon pays. Au moment où on commence à travailler, boum, coup d'État. C'est-à-dire que tout s'arrêtait à chaque fois à la limite de toucher des fois même des millions. Tu te rappelles, David ? C'était même des millions. J'étais là, on les voyait, tu signais un gros contrat. Au moment de toucher, il y a un truc extraordinaire qui est arrivé. Et je suis arrivée en Corée, et la mission pour laquelle j'ai été, j'ai signé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis rentrée dans ma chambre ? Et ça, je ne te l'ai pas encore dit. J'ai ramené mon portable pour la preuve. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai ouvert la porte de la salle de bain. Elle s'est littéralement explosée en 1000 morceaux. Personne, ni moi aujourd'hui encore, j'arrive à comprendre ce qui s'est passé. J'ai mis la main sur la poignée juste quand j'ai signé le contrat et la porte s'est explosée en 1000 morceaux. Laissez-moi vous dire que j'étais dans un hôtel 5 étoiles. Une porte qui explose en 1000 morceaux. J'appelle le service de l'hôtel. Ils arrivent, ils disent, madame, c'est à vous le sang là par terre. Il y avait une goutte de sang, une seule goutte de sang. Et moi, je commence à regarder partout. Je me dis, oh, ma main, je regarde partout, mes pieds, on voit rien. Et en fait, la goutte de sang, elle venait d'ici, de ce petit pouce. Au moment où ça a explosé, j'ai eu le réflexe de mettre ma main comme ça. Et je veux dire que le Seigneur m'a gardé. Il m'a gardé. Comment expliquer qu'une vitre épaisse explose dans une salle de bain, dans un hôtel 5 étoiles ? Et ils étaient là tous en panique et tout. Ils sont arrivés, bien évidemment, madame, etc., etc. J'aurais pu porter plainte et gagner beaucoup, vraiment beaucoup d'argent. Mais le Seigneur m'a dit de favoriser la relation humaine. Et la relation humaine, c'est la manière dont ils se sont comportés après, comment ils sont excusés, comment ils m'ont surclassé, comment aussi ils ont anticipé sur les prochains voyages. Et vous êtes, je vous rappelle quand même que vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas, vous êtes en Asie, ils ont votre passeport qu'ils ont photographié. Je ne pouvais pas me permettre de faire quelque chose qui demain allait me porter préjudice. Donc j'ai préféré lui dire qu'à cause de Yehoshua, donc j'ai eu l'occasion de prêcher Yehoshua, alléluia, ouais. À cause de Yehoshua, je lui ai bien dit, monsieur, à cause du Seigneur que je prie, Yehoshua, à Mashiach, je ne porterai pas plainte. Et il m'a écrit un message, il m'a dit, je suis étonné d'autant d'intégrité, mais alléluia. Amen. Les enfants du Seigneur, c'est ça le témoignage. C'est l'intégrité du Seigneur qu'on a reçue. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on vous enseigne, alléluia. N'attendez pas d'être enseigné pour l'intégrité, ça vient du profond de votre âme, parce que le Seigneur vous a rencontré. Voilà, je voulais vous remercier, en tout cas pour tous ceux qui aussi me soutiennent. Je rigole, je regarde David de loin, je pense au joug quand il est venu au Danemark. Bon, ben voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était ce message que je voulais vous partager. Accrochons-nous et surtout sanctifions-nous, parce que la route, elle est tellement longue. Au moment où je suis arrivée dans le Seigneur, j'étais « Alléluia, Alléluia !» Moi, je pensais que c'était fini. Mais c'était le début du commencement. Voilà. Merci, au revoir. Ah ben voilà. Madeleine.
Elle sort de loin. Toxicomane, famille de gangsters. Ah oui, un témoignage. Il y a deux familles comme ça en France qui sont craintes. Et la deuxième, c'est sa famille. Dans le milieu, vous voyez. Mais vous savez, comme on disait hier, un enfant du Seigneur qui a goûté aux choses célestes. Hein. Ah! Tu peux tourner. Il y a beaucoup de... Il y a quelques prisonniers ici, du Seigneur. Tu es assis là malgré toi. Tu n'as pas le choix. Moi, le premier, je vous disais que je ne voulais plus aller au Congo, non? Je vous dis, cette fois-ci, c'est fini, c'est réglé. Non? Le Seigneur était sur son trône, toujours. Toujours sur son trône, il dit, attends. Un seul témoignage hier. Cette sœur guéri par le Seigneur, qui souffrait d'appendicite, qui a fait plusieurs hôpitaux, tout ça pendant des années, rien. Personne n'a vu qu'elle avait l'appendicite, qu'il fallait qu'elle soit opérée. Et sa tante qui est ici, avec le mari de sa tante, ils lui ont dit, va en Gamanzo, dans notre centre. Alors que j'avais déjà engagé des gens pour demander à ce que la plupart des choses qu'on a là-bas soient liquidées. Commencer déjà à envisager autre chose, finir certains travaux pour tout liquider. Le Seigneur. J'arrive, ouais. Merci. À qui irions-nous? Seigneur, que devrions-nous faire? Nous sommes si faibles. Si faible. On pensait être fort. Et on se rend compte, en fait, après 20 ans de vie chrétienne, Seigneur, on est faible. Élie, après cette grande victoire contre le prophète de Baal, il a dit au Seigneur, je ne vaux pas mieux que mes pères. Donc, c'est une bonne situation, celle dans laquelle tu es présentement. Et c'est là où le Seigneur vient en disant, tiens, maman. Tiens, maman. Tout est vanité. L'or, l'argent, le diamant, tout est vanité. Tout. Tout. Le maître, elle a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, je dis à Satan de ne pas le faire, mais j'ai prié pour toi. Frère, sœur, s'il vous plaît, accordez-moi encore quelques minutes. Je sais que certains sont fatigués. Qu'avons-nous de mieux à faire sur terre si ce n'est que de servir le Seigneur? Honnêtement. Qu'avons-nous de mieux à faire? C'est pour cela que les gens qui nous insultent, faut les bénir. Je ne souhaite aucun malheur aux gens qui m'insultent. Non, pas du tout. Ni à eux, ni à leurs enfants. Non. Pas du tout. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit ne peut se réjouir quand son ennemi tombe, quand les enfants de son ennemi sont malades. Non. Non. Voilà pourquoi il faut pardonner. Tu vois, non? C'est important. Qui a du mal à pardonner? Viens. C'est ton enfant? C'est pas ton enfant? C'est l'enfant de qui? Viens, on sait. Son papa est où? Au Bourget?
Oh. Vous êtes marié? Non. Ça va? Waouh, Seigneur. Prends cet enfant, s'il te plaît. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'évangile nous montre aussi nos faiblesses. Ah, oh Seigneur, là, c'est chaud. Ça t'est jamais arrivé d'ouvrir la Bible et tomber sur un passage qui te parle directement et de vouloir zapper? Qui a déjà vécu ça? Oh, bon, je veux lire ça après, hein, Seigneur. Ouais, on se connaît, non? Voilà, parce que... C'est le projecteur qui est allumé sur nous. Voilà. Adam, quand le Seigneur est arrivé, quand il a mangé le fruit, vous vous rappelez, non? Il est allé se cacher derrière l'arbre que le Seigneur a créé. Le Seigneur n'avait pas créé pour que lui se cache derrière. Non. C'était pour manger ses fruits. Mais ce n'était pas une cachette. Adam, où es-tu? Pensez-vous que le Seigneur ne savait pas où il était? Il voulait juste qu'il sorte. Sors, viens. Mais je suis nu. Là, je suis nu. La parole montre notre nullité. Oh Seigneur, Père merci, le Seigneur va essuyer tes larmes, il veut restaurer ton cœur, il veut guérir ton cœur, parce qu'il veut que tu réalises que tu es sa princesse, que tu marches dans la foi, par la foi, parce que tu as été beaucoup blessé, déçu. Le Seigneur t'a attiré ici pour te guérir, pour te restaurer, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur. Oh Père, tu es vivant. Seigneur, merci. Waouh. Waouh, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. C'est réglé. Viens. Ouais. Avec ton époux. Waouh, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. C'est réglé, le Seigneur dit. Oui, c'est réglé. Le tourbillon est venu, le vent a soufflé. Vous êtes passé par cette zone particulièrement difficile, pleine de turbulences. Mais le Père veille, veille. Et il dit, ce qu'il a commencé avec vous, il va l'achever parfaitement. Et il va vous justifier, c'est le mot que j'entends, au nom de Yeshua. Le temps de la justification va arriver au nom de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Waouh. 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 La délivrance, la guérison, le miracle. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Waouh. Et le Seigneur débloque aussi les moyens pour pouvoir, pour que vous puissiez le servir dans le social aussi. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Une guérison là. Waouh, Seigneur, tu es vivant. Il est vivant, le Seigneur de gloire. Alléluia. Waouh. Seigneur, tu es vivant. Merci pour ta fidélité. Attends. Oh, oui. Viens, la sœur au fond, là-bas. Oui. À côté, en bleu. Waouh, Seigneur, merci. Waouh, viens. Le Seigneur va aussi te justifier. Il va essuyer tes larmes parce que ça coule, ça coule. Le Seigneur va se justifier parce qu'une œuvre qui vient de lui ne peut que se faire. Acclame le Seigneur pour cette présence. Une belle présence du Seigneur qui vient. Yeshua! 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 Oh Seigneur! La guérison arrive, la restauration au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Merci pour le rétablissement, Seigneur. Tu es vivant. Waouh, Seigneur. Viens. Waouh, waouh, Seigneur. Il a commencé une œuvre aussi avec toi qui va achever parfaitement. Le Seigneur dit, je te connais. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Je te restaure ce soir.
je t'ai attiré, c'est pour te restaurer la restauration sur toi au nom de Yeshua. Alléluia. Waouh, Seigneur, merci, merci, Seigneur. Merci, tu es vivant. Waouh, Seigneur, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Oh, tiens, viens, viens, viens. Waouh, Seigneur, tu es magnifique. Oh, il est vivant, il est réel, il est réel. Oh oui. Alléluia. Il est réel, il est réel, il est réel, il est réel. Waouh, Seigneur, viens. Waouh. Là aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y a des robes toutes blanches qui descendent du ciel ici. Des robes toutes blanches, alléluia. Je dis, il y a des robes toutes blanches. Oh Seigneur, oh Seigneur. Et les acclame le Seigneur. Il y a une belle onction ce soir. La gloire est là, frères et sœurs. La gloire. Oh, tu es magnifique, Seigneur. Il y a quelque chose de fort ici. Acclame le Seigneur, la gloire est là. Regarde, regarde. Regarde cette onction, regarde, regarde. Regarde cette onction. Waouh, Seigneur. Regarde, 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 regarde. Acclame-le, il est là. Waouh. Nous t'accueillons, il est là. Le Père est là, le Père est là. Le Père est là. Il est là. Ouf. Il est là. Il est là. Il est là. Ouh. Hey. Hey. Il y a beaucoup de mariages ici. Des restaurations par rapport à la famille. Hey. Beaucoup de mariages. Aidez-le. 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 Acclame-le. Acclame-le. Ouh. La gloire est là. La gloire est là. Le Mashiach. Ouf. Ouf. Tu vois ça? La puissance du Saint-Esprit. Oh! Je viens visiter mon peuple. Je viens guérir mon peuple. Je viens guérir, je viens restaurer. Je viens délivrer mes enfants, dit le Seigneur de gloire. Ouf. Yeshua. Nalingio, Yeshua, Yeshua. Oh, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ouf. Tu vois ce feu de gloire, ce feu de gloire, ce feu de gloire. Ce feu de gloire, ce feu de gloire. Oh Seigneur, regarde ce feu de gloire. Ouf, ouf. Tu vas être ce témoignage pour ta famille, comme tu l'as demandé au Seigneur. Tu vas être le signe de la gloire du Seigneur dans ta famille, dans ta maison. Au nom de Yeshua, le Seigneur va justifier ta foi, va justifier ta consécration, va justifier ta détermination, va justifier. Aidez-la! Ouf! Hey! Tu vois ça? Tu vois ça? La nuée d'Elohim de gloire, la nuée, ça c'est la nuée du Seigneur. La nuée de sainteté, de sainteté, de sainteté. Tu vois ça? La nuée de sainteté, de sainteté. Sainteté, sainteté. Ah, Yeshua. Ah. Sainteté, sainteté, sainteté. Ouf. Le feu du réveil. Le feu du réveil, Madeleine. Un hôpital sera construit en Guinée-Bissau. Le Seigneur te donne cette clé-là. Au nom de Yeshua. Oh, oh, oh Seigneur. La Guinée-Bissau sera visitée par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur t'en fait la promesse. Au nom de Yeshua HaMashiach. Oh Seigneur. Ouf. Oh Seigneur. Oh. Oh Seigneur, oh Seigneur. Tu vois comment la mort s'en va quand la vie vient comme ça. La mort s'en va
La mort quitte ta famille. Quelqu'un ici, la mort quitte ta famille. La mort quitte ta famille. Quitte ta famille. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame. Oh, Seigneur de gloire. Oh. Saint-Esprit. 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 Nous t'accueillons. Adonai. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua, tu vas recevoir des chants nouveaux. Le Seigneur parle à celles qui chantent ici, à ceux qui chantent. Vous allez recevoir encore des chants en langue, des chants nouveaux, plein de feu, de gloire, des chants qui seront transmis, communiqués aux gens. Notre Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia. Oh, le Seigneur par vous va briser la sorcellerie dans vos familles, va briser les liens de la sorcellerie dans les familles. Aidez-la! Va briser la puissance de la sorcellerie dans la famille. Le Seigneur va justifier, justifier ta famille. Justifier ta famille, justifier ta famille, ta famille, ta famille. Oh! 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 Ouh! Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui est ici. Il y a quelqu'un 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 ici. Adonai. 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 Elohim. El Shaddai. Adonai. Oh. Il va se glorifier dans ta famille. Il va se glorifier. Il va se glorifier. Il va essuyer les larmes. Les larmes de tes yeux. Au nom de Yeshua. Adonai, Adonai, Adonai. Oh Yeshua. Elohim. Oh, il est là. Je vous dis, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui ont crié. Il y en a qui ont demandé au Seigneur des signes. Qui ont demandé au Seigneur la confirmation. Il y en a qui ont jeûné. Il y en a qui ont gémi. Tu feras la différence entre toi et ceux qui ne servent pas Adonai. Il y aura une différence, une différence, une différence, une différence. Les guerriers du Seigneur sont debout. Debout, debout, guerriers du Seigneur, guerrières du Seigneur. Oh, alléluia! Personne ne pourra éteindre le feu que j'ai allumé dans ta vie. Personne ne pourra l'éteindre. Aucune église ne peut l'éteindre. Aucun pasteur ne peut l'éteindre. La gloire d'Adonai. Ouf! Oh, 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 ce n'est pas fini. Le Seigneur dit à quelqu'un, ce n'est pas fini. Oh, oh, oh. Patrick, ce n'est pas fini. Parce que tu as obéi, alléluia, mon fils. Je te oins. Il te confie un ministère d'enseignement, d'enseignant. Le ministère doctoral, il te confie ça. Tu vas enseigner le peuple. Il restaure ta mémoire. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Et il t'a donné dans l'esprit déjà une femme. Femme de prière. Femme de prière. Femme de feu. Au nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Viens ici. Viens ici. Oh Seigneur. Il est là. Il est là. Le feu. Ton fils va servir le Seigneur. Servira le Seigneur. Alléluia. Le réveil. Anne, l'enfant là, l'enfant est là, aidez-la. Hey, le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Ouh. Hey. Hey. Le réveil. Le réveil. Docteur, il confirme. Il confirme le numéro 1. Il confirme ça. Demeure, grandis de la sanctification. Tu verras la gloire du Seigneur. Ils avaient programmé ta mort cette nuit, mais le Seigneur n'a pas permis. Oh, tu vas annoncer l'évangile véritable dans toute la nation.
Le Seigneur va te surprendre. Te surprendre. Waouh. 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 Il y en a ici, le Seigneur dit, il va vous amener au ciel. Waouh. 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 Il va vous montrer le ciel. Comme tu as demandé, ma fille, je veux te montrer. Alléluia. Le ciel. La nouvelle Jérusalem. Je réponds à ta prière. Alléluia. 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 Ouh. Alléluia. 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 Le Seigneur dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Toi qui vis ce réveil. Mon peuple, réjouis-toi. 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 Toi qui vis ce réveil. Réjouis-toi. Ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui arrive. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Oh, alléluia. Priscilla, le Seigneur dit, il va essuyer tes larmes. Au nom de Yeshua. Ta famille, je veux la visiter. Le Seigneur dit, la prière que tu as faite dans le secret par rapport à ta famille, je l'ai entendue. Cet homme, ton père, sera visité par le Seigneur. Au nom de Yeshua, ne serait-ce pas. Aïe, 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 aïe. Oh, Seigneur. Waouh! Alléluia! 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 Le Seigneur confirme encore Aurélie pour la Côte d'Ivoire. Il confirme. Et il a entendu la prière pour la maman. Pour ta maman, pour ton papa, le Seigneur a entendu, ma fille. Je dis là, il a entendu. La Côte d'Ivoire, il vous l'a donné. 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 Au nom de Yeshua, alléluia. Ouf! Tout l'honneur. Waouh, Seigneur. La gloire. Le pouvoir. À toi. Vous voyez, il y a l'eau qui coule doucement. Ce fouf. Waouh. 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 Wow! Il confirme ton appel évangélique, d'évangéliste, Jesse, pour le réveil de plusieurs pays, là, de plus de la jeunesse, au nom de Yeshua. Il confirme cela, il confirme cela. Va et allume le feu ici et là. Va, 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 au nom de Yeshua. Ouh! Oh! Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Au nom de Yeshua. Le Seigneur va essuyer tes larmes, ma virée. Au nom de Yeshua, il va essuyer les larmes de ton âme, de ton cœur. Pour les enfants, le Seigneur va se glorifier dans ta famille. Il a entendu tes pleurs, tes larmes. Au nom de Yeshua, le Seigneur est sauveur. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur a vu tes larmes aussi divines, tout ça là. Alléluia, des temps nouveaux arrivent. De temps nouveaux arrivent, de temps nouveaux arrivent. Waouh. Comment ne pas dire merci au Seigneur? Comment ne pas... Ouf! Waouh! Pour ton fin! Ouf! Waouh! Le Seigneur dit, je connais ton cœur. Je connais ton cœur, mon fils. Ce cœur que je te donnais. Tu verras ma grâce sur ta famille, sur les enfants des enfants. Le Seigneur t'a établi comme un patriarche comme Abraham dans la famille. Sa gloire va éclater, sa gloire va se manifester. Le Seigneur va te surprendre encore, te surprendre encore. Et un travail aussi énorme t'attend à Madagascar. Le Seigneur dit, au nom de Yeshua, il va disposer les moyens. Au nom de Yeshua, je te vois dehors avec des pauvres en train de les nourrir, en train de les aider. Je te vois avec des pauvres, des enfants en train de leur partager l'amour du Seigneur, la parole du Seigneur. Le Seigneur t'établit comme un patriarche. Il te donne la santé encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Waouh, Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce. Il t'aime, le Seigneur. Il t'aime, le Seigneur. Il t'aime. Il voit tes combats, tes questions. Comme un père, il veut se révéler à toi. Il t'aime. Fortifie-toi et prends courage. Tu vas donner à manger à beaucoup de gens. À beaucoup de gens.
aux pauvres. Tu vas nourrir les pauvres, nourrir les SDF, nourrir des gens de la rue. Le Seigneur te connaît. Il connaît tes faiblesses. Et c'est lui et lui seul qui va se révéler à toi comme un époux. Et il va essuyer les larmes de ton cœur. Il va essuyer les larmes de ton cœur. Waouh, je te vois avec le Père marcher comme ça, comme une petite fille avec son papa d'amour. Au nom de Yeshua, alléluia. Ouh, le Seigneur l'aime. Le Seigneur l'aime. Vous inquiétez pas pour lui, le Seigneur va le serrer. Il va visser. Il va visser. Waouh. Ouais, ouais, vous voyez ce parfum. Ce parfum. Ce parfum. Ce parfum. Vous savez ce qui se passe en ce moment dans les nations? Ouf, le Seigneur est en train de rattraper ses enfants. Il est en train de récupérer son peuple. Il est en train de restaurer son peuple. En fait, l'arche est déjà ouverte. Et les gens rentrent dans l'arche. Voyez, il a dit comme à l'époque de Noé. Et les gens vont rentrer. Ceux qui étaient dans la distraction se réveillent. Ils vont rentrer. Au nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur. Ils vont rentrer encore, et 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 encore. Ce n'est pas en vain si le Seigneur a permis que vous soyez ensemble, Philippe et Naomi, ce n'est pas en vain. C'est le temps de rattrapage, tout ça là. Le Seigneur va rattraper de plus en plus ses enfants, tout ça là. Il y a un travail à faire avec la jeunesse, c'est un travail. Le Seigneur veut compter sur vous. Comptez sur vous. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Waouh, quelle grâce. Il t'aime, le Seigneur. Vous voyez, beaucoup reçoivent l'amour du Père, la guérison au niveau de l'âme. Waouh. Regarde. Waouh! Majestueux! Waouh! Ceux qui étaient morts spirituellement, ils sont réveillés. Ah oui! Ah oui! Oh oui! Oh oui! Je vois des tombes s'ouvrir. Je vois des cadavres sortir. Parce que le son du chauffard retentit. Alléluia! Peuple d'Elohim, debout! 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 Waouh! 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 Hey! Waouh! Debout la France! Debout la France! Debout la France! Pendant un temps, je me suis éloignée de toi, mon peuple, à cause de la dureté de ton cœur. Pendant un temps, je me suis éloignée de toi. Mais j'ai vu ton humilité. C'est moi qui m'a fait revenir. C'est moi qui t'a fait revenir à moi. C'est moi. J'ai vu ton cœur. Maintenant, j'ouvre la bouche de mes serviteurs. J'ouvre la bouche de mes servantes. J'ouvre la bouche de mes envoyés. Et je déverse une huile nouvelle, incomparable à ce que tu avais, incomparable à ce que tu as connu. Vous allez voir, les hommes seront confondus, parce que maintenant, justice que je suis, j'accomplis mon œuvre. Il mérite les acclamations, frères et sœurs. Voilà pourquoi Patrick, il fallait pas partir. Parce qu'il y a une portion pour toi. Alléluia! Debout la France! Debout les Antilles! Debout la Martinique! Debout Haïti! Debout la Guyane! Debout la Guadeloupe! La Martinique! Alléluia! Debout les Saintes! Debout la Réunion! Debout le Madagascar! Debout, Maurice. Alléluia. Debout toutes les îles, les nations,
Le lion de Yehuda est en train de revenir. Et c'est toi sa messagère. C'est toi son messager. C'est toi qui as reçu le mandat pour aller avertir les autres. Martin, le Seigneur t'accompagnera. T'accompagnera encore, encore, et 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 encore. Alléluia. Ouh. Debout l'Afrique, debout l'Asie, debout l'Amérique. Notre roi vient bientôt. Alléluia, notre roi revient, notre roi revient. Debout la Côte d'Ivoire, alléluia. Debout le Cameroun, debout. Vous ne voyez pas que les soldats de Yahweh sont debout. Vous ne voyez pas que ceux qui étaient par terre sont debout. Alléluia. Oh, c'est fini, fini, fini. Bientôt on sera réunis au Maître pour l'éternité, frères et sœurs. Pour l'éternité. Vous qui avez reçu des chants, sortez-les. Sortez-les. Alléluia, alléluia, sortez-les. Louange à l'agneau. Waouh. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout paix. Je chanterai. Oh. Le Père t'aime, il t'aime, ne l'oublie jamais. Il me dit de plus faire ça, ne l'oublie jamais. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, jamais, jamais. Oh, oh. Moi je suis, je suis. Hey. Ouh. Louons-le. Moi je suis, je suis. Alléluia! On peut prendre place. Waouh! Oh! Waouh! 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 Wow. Après un temps de nettoyage, de séparation, le Seigneur déverse de plus en plus. Je vous assure, je vois des missionnaires, des jeunes, des moins jeunes partir dans tout le sens avec un feu. Oh, Eric, tout ça, tout le monde. Je vois dans toutes les directions. Je vous dis, dans toutes les directions. Des frères et sœurs dans la foi, des enfants dans la foi, des irrités. On ne peut pas les arrêter. Partout, ils vont mettre le feu. Partout, 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 partout. Partout, 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 partout. Allez, je vois des Antillais, des Blancs, des Noirs, des Jaunes, des Marrons, des Chocolats, de tout. Les nations pour le Seigneur. Alléluia. Ils ne prêchent pas une église. Ils ne prêchent pas une dénomination. Mais ils parlent de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, la star de stars, l'homme de Galilée, l'homme le plus beau. Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Frère, alléluia. Non, mais laissez-nous l'adorer vraiment, Seigneur. Toute la gloire. Oh! Il n'y a vraiment personne comme Yehoshua. Hey! Hey! J'ai marché. Le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois, la star de ça, le roi de rois. Quel est son nom, quel est son nom, quel est son nom. Oh, le roi des rois, l'amour de ma vie, ton chéri. Celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui délivre. Quel est son nom? Celui qui mérite l'adoration, la louange. Hey! Il n'y a vraiment personne comme il. Non! Alléluia! Le feu
et t'allume aujourd'hui. Les mains, les mains, les mains. Louons-le, les mains. Yeshua. Hey. Yeshua. 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 Hey. Yeshua. 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 Yeshua, Mashiach, 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 mon époux, mon époux, mon époux, mon époux, mon époux, mon époux. Mon ep, ya ya, yo bongi na kembo, ya ya. Loua 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 loua, ya ya. Yeshua, 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 Mashiach, Yeshua, Mashiach, Yeshua, Mashiach, Yeshua, Mashiach, Yeshua. Alléluia! Qui veut prendre son baptême ce soir? Le baptême! Qui veut prendre son baptême? Venez pour le baptême, venez, on a fini là. Le baptême. Le baptême. Alléluia! Wow, 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 oh, woo. Mbemae, wow, hey, hey, il se passe des choses ici. Et le Seigneur l'a exaucé pour hein. Dieu m'a exaucé. Tu as prié pour elle. J'ai prié, je me suis tellement inquiété. Dieu m'a exaucé, il m'a écouté. Hey! Hey! Yahweh,
Waouh! Elle est qui pour toi? Elle est qui? C'est qui? Ma belle-sœur. Ta belle-sœur. Elle est rentrée dans le royaume. Sa belle-sœur Aurélie est rentrée dans le royaume. Oh! On veut arrêter, mais on sent qu'il y a beaucoup de vent. Oh! Qu'est-ce qui nous arrive? Hein? C'est trop beau la présence du Seigneur. Mobali nanga kombonaye. Hey! Mon chéri, mon d'amour, Yehoshua, Yehoshua, oh. Mon chéri d'amour. Wow. Hey. Mon papa est Yehoshua. Mon chéri c'est Yehoshua. Doudou à moi. Doudou à moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Wow. En fait, pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, oui. Le Seigneur me rappelait une parole qu'il m'avait dit chez moi. Il m'avait dit que nous connaîtrons un réveil plus grand au temps du roi Ézéchiel. Yeah. Il n'arrêtait pas de me rappeler ça. Yeah. Yeah. Wow. C'est que connaître là, c'est Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Ouh. Ça va toi? Tu es baptisé? Viens, viens. Viens, viens, non, non, non. Tes parents, ta famille. Non, moi je suis venu de mon propre chef, entre guillemets. Ok. J'étais déjà venu à Sarcelles. J'ai été invité par Brice Massola, le mari de ma soeur Patricia. Mm-hmm. Parce que moi, je vais mettre à témoigner alors que ce n'était pas prévu. Moi, j'ai souvent été dans une famille où on allait à l'église, etc. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, surtout nous, notre génération, on a besoin de preuves matérielles, enfin matérielles, de le ressentir, mm-hmm. Et pas simplement des paroles. C'est ça. Et c'est vrai que, comme tout jeune, je sortais par-ci, par-là, etc. Et le Seigneur m'a interpellé à plusieurs reprises, et à chaque fois, je cherchais des échappatoires. Je me disais, ah, pas maintenant. Et je cherchais des points de sortie, entre guillemets, les points de sortie qu'on a quand on est jeune, c'est de sortir avec les amis, écouter de la musique, sortir en soirée, etc. Et tout c'est et même quand j'étais dans ces sorties-là, malheureusement, j'étais pas épanoui parce que j'étais interpellé par le Seigneur, mais c'est pas ma place ici, honnêtement. Et à nous les jeunes, c'est pas notre place, honnêtement. Malgré la mouvance, enfin tout ce qui se fait, etc. On n'est pas dans la tendance soi-disant, mais c'est pas notre place. Et les vrais enfants du Seigneur se rendent compte lorsqu'ils expérimentent ce genre de choses que c'est pas leur place. Et moi, c'était pas ma place. Et voilà, il s'en est passé des choses. Et le Seigneur s'est révélé à moi lors d'une douleur, enfin, comment dirais-je, d'une peine amoureuse, disons les choses telles qu'elles sont. Il s'est révélé à moi et je me suis dit, mais comment c'est possible de porter
autant d'intérêt à un être humain et pas au Seigneur. Et les échappatoires que je cherchais, tout simplement, il m'a rappelé. Et je me souviens très bien de la manière dont il m'a visité. J'étais dans ma chambre. Je pleurais. Je disais, mais Seigneur, pourquoi je t'ai abandonné? Pourquoi j'ai été aussi loin de toi à chercher des échappatoires qui sont juste éphémères? Honnêtement, ils sont vraiment éphémères. Et le fait de l'avoir expérimenté, ça... Voilà, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et je veux plus de cette vie-là. Et j'ai cherché des réponses. Et il n'y en avait pas, en fait, dans le monde. Et la seule réponse qu'il y avait, c'était avec le Seigneur. Donc, à la suite de ça, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis baptisé. Et depuis, bah, c'est fini, les choses du monde. Hein. Tu es heureux? Je suis heureux, oui. Je suis beaucoup plus épanoui, c'est beaucoup mieux. Alléluia. Et voilà. Gloire au Seigneur. Donc, le Cameroun, c'est ce soir? Ouais. À quelle heure? Je vais à l'aéroport, là. Le Seigneur a... Enfin, nous sommes tombés comme dans un guet-apens, quoi. Le vol est à quelle heure? La résidence se termine à 22h. Et j'ai une heure de route. Oui. Tu vois, l'accompagnement apostolique, le réveil au Cameroun. Non, Yeshua! Tu seras de plus en plus un homme intransigeant, pas de sentiments. Et la puissance apostolique va t'accompagner au nom de Yeshua. C'est réglé. C'est réglé. Ce réveil se répand au Cameroun. Ça va prendre tout le Cameroun. À la télévision, à la radio, la prédication de l'évangile sera apportée. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Mardi soir, soirée spéciale. Soirée de réveil. Mardi soir. Soirée de réveil. On a soif. On a faim. Vous qui savez jouer, danser, venez. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. 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 C'est magnifique. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des gloires? Acclamons le Messia. Il mérite les acclamations, notre papa d'amour. On a fini, que le Seigneur soit béni. Pour ceux qui veulent soutenir la mission, il y a des paniers. À nous revoir mardi. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Et pour les baptêmes, on va vous baptiser tout de suite. Venez.